taureau, il est extrêmement symbolique parce qu'il nous ramène à ce pictogramme phénicien qui nous ramène à Aleph, qui nous ramène à la source, qui nous ramène à la lignée de Adam. Adam a Aleph le premier, Dame, sang, lignée de sang de Adam. Donc on est, comme l'a dit très justement tout à l'heure Jean-Frédéric, tout ce passage-là, c'est de la génétique. Et c'est l'arbre généalogique que je vous ai mis à l'écran. Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette conférence. Alors cette conférence, je sais quand est-ce qu'elle commence, mais je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle finit. Donc pour ceux qui n'ont pas pris leur thermos de café, je suis désolé, peut-être même qu'on fera une pause, hein, c'est pour vous dire. Hein. Une première dans l'Arche du Savoir, on risque de faire un entracte. Hein. Alors chérie, il va falloir que tu te balades avec les popcorn, les M&M's et tout ça, hein, hein, parce que là, voilà, hein, ce soir, attention, ce soir, conférence, alors, ce soir, je considère cette conférence comme un tournant, déjà dans ce que je fais, et comme un tournant aussi dans, on va dire, l'aventure Arche du Savoir, hein, il était une fois le monde... Hein, voilà, là, c'est là que tout le travail de 2 ans, 3 ans vient, on va dire, se poser, hein, devant vos oreilles, enfin, devant vos yeux ébahis et dans vos oreilles chastes et profanes, on va dire comme ça. Non, je rigole. Mais en tout cas, ce soir, nous sommes, dans une conférence qui va quand même amener son pesant de vérité. Hein, et comme je disais toujours, la vérité est une belle femme qui se déguise pour l'homme qui la regarde. Mais bon, hein, alors je n'ai pas la prétention de vous amener la vérité, hein, ni ma vérité, mais bon, je vous amène quelque chose qui, un constat d'évidence. Hein, on va le dire comme ça, chérie. Alors, chérie, bonsoir déjà. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, désolé, hein, on vous a pris un peu à contre-pied, ça s'est décidé à la dernière minute cet après-midi, j'ai senti que c'était le moment. De toute façon, demain j'ai des trucs à faire. Hein, donc voilà, bon, je vous dis pas quoi, vous savez quoi. D'accord ? Donc en tout cas, j'ai senti que c'était le moment, qu'on était, on était en jeudi. Hein, aujourd'hui, nous sommes le jeudi, chérie ? Je sais plus. 28. D'accord. 28.
Voilà, c'est le début de quelque chose. Ouais. Hein, mm-hmm. Tu captes? Ouais, ouais. Donc voilà, hein, c'était le moment de vous amener cette information. Non, cette information, finalement, vous l'avez eue tout au long des ateliers de l'Arche du Savoir. Hein. Cependant, voilà, là, on va faire le condensé, on va expliquer le pourquoi du comment. Moi, quand ma chère et tendre, nous communiquions à distance jadis, elle me demandait, mais ce que tu fais, ça sert à quoi? Bon, je vous avoue que mon coco, il prenait ça mitigé. Hein, mon coco, ça sert à quoi? Ça déjà ferme là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Hein, avant de te servir, de me demander ça sert à quoi? Ah non, mais bon, ça c'est des cocottes. Hein, vous savez comment sont. Donc voilà. Et c'est vrai que bon, je n'avais pas vraiment d'explication rationnelle à lui donner dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, voilà, mon but c'était de d'ouvrir l'esprit des gens, de connecter les deux cerveaux pour qu'ils puissent voir les choses qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. D'accord. Si pour ceux qui ont suivi, je pense à Patrice, à Benjamin, à Joël, à Tamara, enfin, à tous ceux qui sont dans le chat, tous ceux qui ont suivi tous les cours, vous savez très bien où je m'en vais avec cette histoire-là. Et ça a commencé, cette histoire-là, ma première conférence sur le grand changement, n'est-ce pas, avec Nora, hein, vous êtes au courant. C'était, alors, je dis pas que c'était mon but caché. J'avais besoin de m'immerger, on va dire, dans la communauté pseudo-spirituelle d'Internet pour justement amener de façon, on va dire, comment je pourrais dire ça, de façon douce, hein, un peu comme de la thérapie douce, hein, on va dire ça comme ça, l'information. Hein, dire voilà, ben en fait, vous pensez ça, mais en fait, voilà ce que c'est. Hein, c'était mon information, celle que j'ai réussi à déceler grâce aux travaux de Jordan Maxwell, hein, grâce à Alphara, grâce à tous les gens que j'ai pu rencontrer durant, on va dire... ouais, c'est ça, bébé, c'est ça. Parce que ma fille me parle. Je parle bébé couramment. Hein, vous savez que je suis linguiste, j'ai fait bébé seconde langue au bac. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, et que finalement, cette compréhension m'a amené à pouvoir étudier un peu les deux côtés. Alors ça, c'est une chance que j'ai eue grâce à Alphara. Alphara, lui, il vous donne les deux versions de l'histoire en vous expliquant mais quelle version et quoi. Donc déjà, je partais avec un petit temps d'avance sur les spécialistes ou les pseudo-spécialistes. C'est que moi, j'avais les deux versions de l'histoire. Et au départ, je lui ai demandé, mais pourquoi tu nous apprends ce côté-là? Il m'a dit, parce qu'il faut que tu apprennes contre quoi tu te bats. Il faut que tu, en gros, il faut que tu connaisses ton ennemi. En étudiant, et c'est en étudiant le côté de mon ennemi que je suis tombé sur la numérologie, justement. Et c'est pour ça qu'hier, pour ceux qui étaient là hier, on a fait un rendez-vous de la numérologie un peu plus historique. On n'avait pas vraiment de personnes à qui faire la numérologie hier, donc on a parlé. Et effectivement, c'est là-dedans que je suis tombé sur la numérologie, et justement que c'est en sortant la numérologie de son contexte ésotérique et art divinatoire que j'ai finalement compris ce qu'était le gnosticisme. D'accord, que j'ai compris comment il était articulé, pourquoi il était là, et quelle était sa mécanique, quel était son but. Et finalement, quand on regarde ce but-là, il est en résonance avec l'ego. Donc c'est là que j'ai trouvé une résonance justement dans cette mécanique, dans cette façon de faire avec l'ego. Hein? Donc c'est important de comprendre comment je suis arrivé là aussi. D'accord, et c'est en étudiant les deux côtés, bon, le côté chrétien, christique, énergie angélique, tout ça, c'était très c'était très fluide parce que c'était positif, mais l'autre côté, il n'était pas sympa. Mais il n'était pas sympa pour la simple et bonne raison qu'il était en résonance avec l'adversité, l'énergie adversaire et tout ce qui s'ensuit. Donc ce soir, je risque d'être très méticuleux, très lent. Je pense que c'est le premier atelier où j'ai autant de diapos. Donc je ne sais pas quelle heure vous allez vous coucher, les gercivistes, mais je ne peux pas faire cet atelier en plusieurs fois. Parce que je ne peux pas vous disséminer l'information en plusieurs étapes. C'est-à-dire que là, on va être dans un raisonnement, on va dire, on va rentrer dans une cohérence de raisonnement qui ne peut pas être coupée. Si j'ai le malheur de couper cet atelier au milieu et de refaire un dans une semaine, l'ego aura fait son travail. L'agenda gnostique aura fait son travail. L'égrégore collectif, comme vous l'appelez, aura fait son travail.
D'accord ? Donc, je préfère vous donner l'information d'entrée pour que l'ego n'ait pas le temps de nettoyer, mettre de côté ce qu'il a envie. Aujourd'hui, en plus, je vais le mettre à mal. Je vais mettre des égos à mal, j'en ai conscience, d'accord ? Je ne vous en voudrai pas. Je pense que pour ceux qui sont là, peut-être il y a des... Oui, je te réveille, Benjamin, t'inquiète pas. Je t'appelle sur le portable et tout. J'ai conscience que je vais remuer des choses, d'accord ? Je vais vous mettre le nez dans la caca. J'en ai conscience, d'accord ? Mais j'assume complètement. Pourquoi j'assume ? De faire ça parce que j'en fais une responsabilité. Hein, vous m'avez suivi depuis maintenant presque 3 ans, ou 4 ans, 4 ans, presque 4 ans, pardon. Je me dois d'être honnête et complètement. D'accord ? Donc à partir de là, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas ni de scrupules, ni de remords à faire ce que je vais faire ce soir, parce que pour moi, c'est l'évidence. D'accord, c'est important. Ce n'est que un concentré du travail que j'ai déjà fait. Jusqu'à présent, je vous ai pris avec des pincettes. Ce soir, je vous prends pas avec des pincettes. Et j'en ai conscience. C'est pour ça que le premier diapo, c'est celui-là. Voilà. Je suis John Borgard. Pour ceux qui savent pas qui est John Borgard, c'est dans le film Mon nom est personne. Hein, parce que mon nom est personne, en fait. Hein, ça n'a aucun sens. Ce que je vais vous enseigner ce soir, ce n'est pas Cyril ou Cyriliel ou mon cul sur la commode qui vous l'apprend. Ce soir, c'est l'information qui vient à vous. C'est je lève le voile. Ce soir, je suis l'apocalypse. Ah, c'est déjà ça fait gagner. Hein? Non, mais c'est ce que veut dire apocalypse d'ailleurs. En grec, apocalypsos veut dire la révélation du secret. Donc je ne révèle aucun secret puisqu'il n'y en a pas. D'accord ? Il n'y a pas de secret. Tout est devant nos yeux, c'est juste que on nous a inculqué une façon de réfléchir qui nous empêche de voir. Ok ? Mais il n'y a pas de secret. C'est pour ça que ce que je vais faire ce soir s'adresse aussi à la sphère conspirationniste et complotiste. Parce que même elle, qui met en avant de certaines vérités cachées, même elle se fait avoir. Complètement. Elle se fait berner. Ok, donc je sais qu'on m'a souvent reproché de ne pas m'inclure dans la réflexion, c'est-à-dire vous ne voyez rien et moi je vois tout. Non, j'ai été comme vous à un moment donné. Ok, et même encore aujourd'hui, je peux me faire avoir. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que quoi ? J'ai oublié l'agenda gnostique. Je me demandais mais qu'est-ce qui m'arrive en fait ? Mais pourquoi tout d'un coup tant de haine ? Ben, c'est normal puisque je mets en lumière des choses qu'il ne faut pas que je dise. Et c'est pour ça que l'arche du savoir est du pain béni pour moi, parce que le fait de retomber dans un pseudo-anonymat me permet aujourd'hui de vous divulguer cette information tranquillement. Ce qui n'aurait pas pu être le cas. De toute façon, s'il y a une coupure de courant ou d'internet, vous savez d'où ça vient. Hein? Comment il appelle ça, Alphara ? Evil Technical Difficulties. ETDs. Il appelait ça. Hein? D'accord ? Donc ça arrive. Ok, donc voilà, c'est un peu comme ça que je me sens, hein. Je suis John Borgard, hein, devant la horde sauvage, hein, voilà. Donc si vous connaissez le film Mon nom est personne, qui est un film culte, hein, j'ai montré quelques scènes à ma chérie, elle a rigolé, hein, la scène des baffes dans le bar, hein, c'était rigolo. Ouais, c'est rigolo. Hein, j'adore. J'adore Terence Hill, j'adore Bud Spencer. Il y a pas de Bud Spencer. Ouais, mais il n'y a pas Bud Spencer dans celui-là. Ouais, il y a juste Terence Hill et Henry Fonda quand même. Hein, puis musique d'Ennio Morricone. Ennio Morricone, Western Spaghetti, voilà. Mais voilà un peu comme je me sens ce soir. Mais en fait, c'est comme ça que je suis depuis 4 ans. Hein, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une beauté divine à côté de moi. Hein, mais depuis 4 ans, je me sens un peu comme John Borgard devant la horde sauvage avec mon fusil. Hein. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce soir, je prends pas de prisonniers, les gens. Hein, peu importe que vous soyez thérapeute, activiste depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vous le dis, moi aussi je me suis fait avoir, donc il n'y a pas de honte. Hein, je parle à vos égos aiguisés, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable. Je pense que c'est en assumant et en acceptant qu'on s'est fait avoir, hein, qu'on peut avancer. Okay, donc c'est important. Donc voilà comment je me sens, hein, ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette image à l'écran.
Ok, donc cette scène est mythique, hein, parce que justement, avec quelques balles et un fusil, hein, il s'attaque à la horde sauvage. C'est une horde de bandits de grand chemin, hein, on pourrait dire l'égrégore collectif, hein, les bandits, les égaux, hein, en face de lui, les démons, hein, et grâce à sa faculté, à sa dextérité, à savoir viser juste, hein, quelque part, il s'en sort. Ok, et vous avez Terence Hill dans le train qui compte. Hein. Lui, il est là avec les pop-corns et il compte le nombre de bandits de la horde sauvage qui descend. Hein. Qu'est-ce qu'il lui dit ? 50 enfants de putain qui brillent comme un miroir de bordel. Ah ouais, ça, j'aime bien ça. Hein ? T'imagines ? Y a tout dans la phrase. 50 enfants de putain qui brillent comme un miroir de bordel. Ah ouais, ça, c'est du Ennio Morricone. C'est une belle entrée en matière, chef. Hein ? Alors, parlant d'entrée en matière, je vais laisser cette belle image à l'écran. Mais est-ce que toi, tu peux nous faire un petit résumé ? Oui, parce que cette conférence vient après. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, hein, on a fait une étude audio d'un spécialiste de l'agno. J'avais besoin que ça vienne de la bouche de quelqu'un d'autre. D'accord ? Hein, pour pas dire que... Excusez-moi. J'ai arrangé le schmilblick, donc on a pris un spécialiste de l'agnos qui est Roland Hureau. Mmh. Et justement, Roland Hureau nous a donné quelques informations primordiales, puisque c'est ces informations qui vont articuler la conférence de ce soir. D'accord ? Donc, préparez-vous, hein, comme j'ai dit, petit thermos de café, de thé, voilà. En cas, hein, toi, peut-être un petit lait chaud, hein, manière de... hein, voilà, et on y va, on est parti. Okay. Alors chérie, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'audio guide qu'on a écouté sur la gnose, pour les gens qui peut-être ne savent pas encore ce qu'est la gnose. Oui, avec plaisir. On y va. Alors, petit résumé de l'audio guide. Donc, les écrits gnostiques, ils sont pris comme des écrits qui contredisent l'autorité chrétienne de l'époque. Donc, la gnose... C'est-à-dire les catholiques. Donc la gnose ne s'oppose pas au christianisme, mais au catholicisme. Les écrits gnostiques datent du IIe siècle, donc c'est longtemps après la date des faits. Les gnostiques, ils refusaient la morale. Les Romains souvent confondaient les gnostiques et les chrétiens. Et donc certains gnostiques avaient des pratiques sexuelles douteuses. Il y a un refus du mariage, refus du sexe et surtout tout ce qui est procréation. Il y a un antisémitisme naissant, ils sont végétariens, la chair est mauvaise, le monde est mauvais, le corps est mauvais, voilà, à l'opposé des chrétiens qui, eux, célébraient le corps via l'Eucharistie. Donc la préconisation, c'était pas de rapport sexuel, sinon il fallait s'arranger pour ne pas procréer. Voilà, il y a vraiment un refus de la chair et de la vie. Il y a un antisémitisme latent dans les écrits gnostiques, avec une volonté d'effacer l'adamisme. Donc tout ce qui est entre Noé et Jésus est éradiqué. Tout ce qui est entre Abraham et Jésus, toute l'histoire a été occultée par les gnostiques. On a un dieu mauvais et un dieu méchant. D'après les gnostiques, on ne se sauve pas par l'amour, la charité et la foi, mais par le savoir. Donc ça, c'est vraiment le fondement de la gnose. Pour les gnostiques, le serpent est un bienfaiteur car il apporte la connaissance du bien et du mal. Voilà. Après, il a évoqué Mani. Voilà, donc Mani qui se prétendait être le successeur de Jésus, divinité à laquelle il ne croyait pas. Et donc, lui, il parlait d'un dieu mauvais, d'un dieu bon. Mani a influencé le bouddhisme. Donc là, c'est toute la partie orientalisation de la gnose. Le manichéisme et le sommet de la gnose. Alors, en ce qui concerne les origines de la gnose, il en parle comme la maladie infantile du christianisme. La gnose est une religion qui est la contamination du paganisme. Il y a un rejet constant de l'Ancien Testament. Les ténèbres, pour eux, c'est le monde dans lequel on vit, ce qui n'est pas faux. Et ils détournent des savoirs anciens pour entrer dans l'art divinatoire et leurrer les humains. Les gnostiques ont gardé le christianisme car c'était à la mode à l'époque. Le catharisme est derrière l'organisation de la gnose. Le manichéisme, c'est la manifestation de la gnose, voilà, avec une adoration de Satan chez les esprits gnostiques. La postérité de la gnose, donc après le Moyen-Âge, se manifeste dans la franc-maçonnerie. Les idéologues ne disent pas... qu'est-ce qu'il y a, chérie ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Je voulais pas parler de... C'est pas... On y va, continue.
C'est ce qu'il dit, hein. C'est ok. Oui, c'est Roland Huro qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, c'est lui qui le dit. Je me dédouane complètement de... Oui, oui, je sais, chérie. Donc, les idéologues ne disent pas que le monde est mauvais, mais ils veulent tout réformer, les gnostiques. Donc, le monde, finalement, c'est comme un camp de redressement. On pollue trop, nous sommes tous racistes, on fume trop, on est trop nombreux. Voilà, donc ils veulent un nouveau commencement. C'est pour ça qu'on évoque, on parle de New Age. C'est la notion de renouveau, une idée de recommencer à zéro. Voilà. C'est tout. Oh bah, c'est très bien ce petit résumé. Hein, c'est très très bien, on est bien. On est bien. Oui, donc voilà, ce qui est important, c'est justement de voir les grands traits du... Alors, pas de la gnose, parce que c'est important, ce soir, je vais souvent revenir là-dessus. Il y a une différence entre la gnose. Alors, la gnose, ça vient du grec gnosis, qui veut dire savoir, d'accord, et du gnosticisme. Le gnosticisme, c'est le mécanisme qui est tiré de la gnose, d'accord. La gnose en elle-même, ça veut rien dire, c'est juste le savoir. Ok, donc on a le savoir, on a un savoir, on va dire, terrestre, on a un savoir physique, on a un savoir luciférien, on va l'appeler comme ça, et de l'autre côté, on a un savoir beaucoup plus divin, beaucoup plus éthéré, beaucoup plus, voilà, on est dans cette opposition. Donc au-delà des notions du bien et du mal, on est, parce que chez les gnostiques, le bien et le mal, c'est relatif. Comme tu l'as dit dans ton résumé, le mal, c'est le dieu créateur, c'est-à-dire le dieu des Hébreux, le dieu d'Abraham et le mal, pour eux. D'accord ? Donc, on voit bien qu'on est sur un angle de vue totalement différent que l'angle de vue chrétien, où le dieu créateur est un dieu bon, est un dieu ceci, est un dieu cela. Vous avez assez fait d'ateliers avec moi pour savoir que finalement, c'était un dieu en évolution. YHVH. Je suis et je deviens. C'est important, cette notion de devenir. Alors que chez les gnostiques, on est sur quelque chose de beaucoup plus tranché. Il y a un dieu méchant et un dieu bon. Et pour eux, le dieu bon, on le verra, c'est Lucifer. Ça, c'est ce que vous devez comprendre, d'accord. Ça, c'est les bases du gnosticisme. Donc, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite et on va enchaîner, donc, hop, sur le premier, on va dire, le premier plan de la gnose dans son agenda, d'accord. C'est l'aseptisation de l'humanité. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, la gnose, c'est quoi? Donc, ça, c'est important, vous devez vraiment vous imprégner de ça. Parce que aujourd'hui, on doit vraiment comprendre, parce que je vais amener la gnose dans le monde d'aujourd'hui. D'accord? Je vais l'amener dans votre quotidien. Et qui plus est, vous, chercheurs de vérité, vous, thérapeutes, channeleurs, médiums, je vais amener ça dans votre quotidien. Pour que vous compreniez par quoi vous passez. D'accord? Je vais pas prendre de pincettes, je vous le dis tout de suite, donc je m'en excuse dès le départ. Mais vous voyez ça comme de l'amour vache. D'accord? Donc, l'aseptisation de l'humanité, l'agenda, c'est donc la base de la gnose, c'est celui qui sait a du pouvoir sur celui qui ne sait pas. D'accord ? Pour la simple et bonne raison que celui qui sait aura le salut, et celui qui ne sait pas n'a pas le salut. Et bien souvent, celui qui sait, mais ça lui donne du pouvoir automatique sur celui qui ne sait pas. D'accord ? D'où l'importance, quand vous savez quelque chose, et que vous le dispensez, de l'expliquer. Moi, j'ai du savoir, donc j'ai techniquement du pouvoir sur vous. Mais alors, comment j'utilise ce savoir? Je l'utilise en vous le partageant, ça c'est très très important. Je l'utilise en vous le partageant et en vous l'expliquant et en vous le démontrant. J'ai une démarche anti-gnostique, du coup. D'accord? J'ai une démarche complètement anti-gnostique, dans la mesure où je vous partage ce que je sais et je vous explique ce que je sais. C'est un mécanisme important, c'est un mécanisme d'honnêteté intellectuelle. Ok ? Et aujourd'hui, vous avez des chercheurs comme Idriss Aberkane qui vous expliquent que la plus grande économie aujourd'hui de l'humanité, c'est le savoir. Ok ? Pourquoi ? Parce que à certains savoirs, vous avez des pays comme la Corée qui ont un PIB et un PNB supérieurs à la Russie. Alors qu'ils n'ont aucune matière première. La seule chose qu'ils ont, c'est des brevets, des écrans, des Samsung. Et des... Je fais de la pub, placement de produits, excusez-moi. Mais voilà. Donc, très important, l'agenda gnostique, c'est avoir du pouvoir et garder l'humanité dans la, on va dire, dans la bêtise, dans l'ignorance. Important. Plus l'humain est ignorant,
plus les gens qui savent ont du pouvoir sur eux. Donc, une attitude, hein, parce qu'à chaque fois, je vais vous donner une solution. Hein, je vous dis, je vais pas vous montrer du doigt, dire vous êtes des vilains, et vous dire comment pas. Si vous avez un savoir, quel qu'il soit, partagez-le et expliquez-le. Du coup, vous n'êtes plus dans l'agenda gnostique. Ok ? Seul le savoir amène le salut. Seuls quelques initiés auront le savoir. Alors, il faut savoir que oui, ça, là, on rentre dans ce qu'on appelle l'hermétisme. Donc, encore une fois, l'hermétisme, à la base, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste qu'il a été récupéré par les gnostiques, l'hermétisme, pour son côté hermétique, justement. Son côté un peu caché, son côté secret. Je montre sans montrer, je parle sans parler, je cache sans cacher. C'est l'un des principes de l'hermétisme. Donc, pour un gnostique, c'est du pain béni, hein, cette façon de penser. Donc, sauf que la différence des anciens hermétiques ou des anciens savants, c'est que ceux qui étaient initiés étaient des gens vertueux. Ce n'étaient pas des gens avides de pouvoir. Aujourd'hui, on initie des gens avides de pouvoir, puisqu'ils ont cette pensée gnostique de celui qui sait a le pouvoir. D'accord ? Donc, hyper important de bien comprendre tout ça. Moi, quand j'étais sur Internet, on va se parler à bâton rompu, j'ai bien senti qu'il y avait une course à l'information. Quand je commençais à divulguer mes informations chez Nora, tu peux être sûr que dans les 2 jours, tu avais un intervenant ou une intervenante qui allait reparler du sujet et qui surenchérissait. Je me suis laissé avoir à un moment donné avec ça. Parce qu'on me demandait, ouais, tu vois, elle a dit ça, qu'est-ce que... Donc je faisais des émissions à répétition sur certains sujets. Par exemple, je vous donnais un sujet qui est tout bête, le sujet des walk-in. Le sujet des walk-in, une dame comme Anne Givaudan derrière, j'ai ébranlé son monde quand moi j'ai amené ma version du truc. Ma version scientifique, expliquée, tout ça. J'ai ruiné 19 ouvrages. D'accord ? Donc, je peux comprendre cette course à l'information, et donc celui qui sait, il a une plus grosse quéquette que celui qui sait pas. En gros, c'est ça, on est vraiment dans l'esprit égotique plus. Ok ? Donc ça, c'est important. Donc, Aldous Huxley, hein, qui est un écrivain du 19e siècle, enfin fin du 19e, début du 20e, disait que avoir un peuple ignorant, c'est avoir un peuple docile. Et surtout, qui ne pose pas de questions sur sa condition. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie ou démocratie, une présence en mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, hyper important, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ça, c'est le socle du gnosticisme. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Alors, est-ce que déjà il y a des réactions ? Ensuite, il faudra attendre 20 ans, vous aurez un pays constitué, il est rang, dirigé par des voleurs, il vous sera très difficile, très facile à aller. Sagesse chinoise. Bon, ça, on va parler aussi des sagesses, des pseudo-sagesses chinoises. Hein ? Parce que les sagesses chinoises, c'est comme les gâteaux là, que tu ouvres, il y a des trucs dedans à l'intérieur. Oh, sagesse, on verra tout ça. Donc, est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Là, on voit bien l'évolution des émissions de télé avec une. On y arrive, chérie, on y arrive. Fais pas ta Jean-François, Jean-Frédéric, s'il te plaît. Merci. Oh. Allez, on y va. Boum ! Donc, ce qu'il faut comprendre aussi dans la gnose, c'est ce côté ésotérique. Ok ? L'ésotérisme est du pain béni, encore une fois, pour la gnose. Pourquoi ? Parce que ésotérique veut dire savoir caché. Après, il y a l'exotérisme. Alors, l'ésotérisme est un petit peu... non, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. L'ésotérisme est pour les initiés. Il est réservé aux initiés, aux savants et aux gens qui sont dans leur cave à donjon. D'accord ? Hein, comme je dis toujours. Et donc, pour la gnose, l'ésotérisme est vraiment important. Il est viscéralement lié. Pourquoi ? Parce que la gnose utilise énormément d'apocryphes. Alors, c'est quoi les apocryphes ? Les apocryphes, ce sont les écrits qui n'ont pas été retenus au concile de Nicée. Le concile de Nicée, c'est là où Constantin a demandé à des savants et des théologiciens de créer la religion catholique. C'est là où on a décidé que tels et tels évangiles étaient... catholique ou pas. D'accord ?
Donc, dans ce sens-là, pourquoi Constantin crée la religion catholique ? C'est hyper important de comprendre ça. Pourquoi il crée la religion catholique ? Il crée la religion catholique parce que il est lui-même païen. Mais il voit que son peuple se déchire entre justement cette religion, cette façon de penser émergente qu'est le christianisme, et ses fidèles païens. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de créer, de cacher à l'intérieur du christianisme les rituels païens. Et bien c'est comme ça que naît une gnose en fait. C'est comme ça qu'on crée une gnose. Ok, c'est hyper important de bien comprendre. Souvent on me demande, mais comment la gnose est née, comment elle est apparue? Elle est née, on va le voir, par une orientalisation des écrits saints pour que les Grecs, les Perses et toute cette puissent accéder au christianisme. Donc il y a une espèce de, enfin, un peu de mentalo, comme on dit, hein, c'est comme les gens qui mettent des glaçons dans leur vin, il y a une espèce d'édulcoration du christianisme et d'une espèce de contamination du christianisme par le paganisme. Et la gnose, c'est ça, en fait. Donc ce qui est important de savoir, c'est que, du coup, le catholicisme est la plus grande gnose qui existe. C'est les catholiques, quand ils s'en prennent aux gnostiques, plus tard on le verra avec les Templiers, on le verra avec les cathares, c'est une gnose qui se bat contre une autre gnose. Ils ne se battent pas pour l'hérésie, comme l'Inquisition essaie de nous le faire comprendre, ils se battent pour le pouvoir. Quelle sera la gnose la plus forte ? Le catholicisme est une gnose. Au même terme que les codex du Nag Hammadi, au même terme qui sont les écrits coptes, les écrits, on va dire, coptes asiatiques de la Bible, le Nag Hammadi, au même terme que d'autres gnoses qui sont nées, comme le manichéisme, comme Roland Hérault nous en a parlé. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Quand les catholiques, les ennemis des gnostiques sont les catholiques, mais les catholiques sont aussi gnoses. La gnose n'est pas forcément en lutte contre le christianisme, elle est en lutte contre le catholicisme qui est lui-même une gnose. Pourquoi ? Parce que le catholicisme a été créé comme une gnose, c'est-à-dire par l'édulcoration, la paganisation du christianisme. Donc ça c'est important, ce paganisme sous-jacent qu'il y a dans le catholicisme et dans la gnose. D'accord ? Dans les écrits qu'on va considérer gnostiques. Je vous ai souvent dit... Les écrits gnostiques sont des apocryphes, mais tous les apocryphes ne sont pas gnostiques. C'est pour ça d'ailleurs que on a souvent attribué à l'apôtre Paul d'être gnostique. Non, ce sont les gnostiques qui ont récupéré les enseignements de Paul de Tarse, d'accord, et qui en ont fait et qui l'ont mis dans leur gnose. D'accord, de la même manière qu'ils ont mis l'évangile de Marie-Madeleine, on verra plus tard pourquoi. De la même manière qu'ils ont mis énormément le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est devenu un livre gnostique parce que les gnostiques l'ont récupéré, mais il n'est pas gnostique en soi. C'est ça qu'on doit comprendre, ce mécanisme que les gens n'arrivent pas à déceler. Ah ben c'est gnostique, c'est luciférien, c'est satanique. Non, teubé. C'est pas parce que demain l'équipe de Dampalo, ils mettent les maillots de l'Olympique de Marseille, que c'est l'Olympique de Marseille qui joue. Ils ont juste mis les maillots. Ok, ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ça c'est quelque chose, c'est un mécanisme, c'est une espèce de voile qu'il y a sur le... Parce que un tel, on le verra, parce que un tel parle de telle chose, eh bien du coup ça ne devient plus fréquentable, ça ne devient plus disible, ça ne devient plus... Voilà, non, je suis désolé, c'est pas parce qu'à un moment donné, Michael Jackson, il est chrétien... et il est pédophile. Non, il était Jéhovah, lui. D'accord ? Michael Jackson est Jéhovah et il est pédophile. Donc, on va faire ce qu'on appelle un syllogisme. On va dire, mais tous les Jéhovah sont pédophiles. Ouais. Ok ? Non, ne tombez pas dans le panneau. Les gnostiques, ce sont les rois de s'accaparer les choses qui ne leur appartiennent pas et de les transformer pour leur agenda. Donc, ça, c'est au-delà de l'information. Vous devez en repérer le mécanisme. D'accord ? Comment fonctionne la gnose ? Ok ? Donc, il y a un paganisme sous-jacent. Donc, par paganisme, on entend quoi ? Sorcellerie, magie, rites occultes et luciférien.
en opposition avec l'Église chrétienne. T'inquiète pas, je gère le tchat. D'accord. Merci. Utilisation de certains apocryphes. Maintien d'une réflexion binaire de dualité basée sur le manichéisme au détriment d'une réflexion polarisée. Quelle est la différence entre une réflexion binaire et une réflexion polarisée? Binaire, c'est blanc-noir, blanc ou noir. Ouais. Alors que polarisé, il y a plein de nuances. Oui, il y a ça, mais surtout les polarités, elles sont... on va être plus dans une réflexion polarisée, c'est-à-dire une réflexion où tu vas utiliser... Quand tu polarises, tu utilises les deux. Tu utilises ta partie féminine, masculine. Tu utilises ton cerveau droit, ton cerveau gauche. Il n'y a pas forcément de bien ou de mal. Tu vois ? On peut être dans une réflexion masculine mauvaise et dans une réflexion féminine mauvaise. Mmh. Donc, de dire que c'est bien ou mal, c'est binaire. De dire que c'est polarisé, il y a une influence des deux pôles. D'accord ? Mmh. Unifié et séparé. Bravo, c'est ça, Patrice. Donc, hyper important. Donc, rappelez-vous, gnose égale ésotérisme et paganisme sous-jacent. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on entend par paganisme? On entend par tous les rites pré-adamiques, toutes les sciences pré-adamiques, tous les savoirs, on va dire, du contrôle de l'énergie pré-agamique. On va l'appeler comme ça, au lieu de l'appeler magie ou sorcellerie, mais on est quand même dans quelque chose, alors je ne dirais pas de négatif, mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice et qui est de l'ordre de choses qui sont pas très agréables, on va dire, pour l'humain en tant que tel. Ok, on va parler en termes d'agréabilité, hein, comme ça... Ça sera plus... voilà, binaire, c'est tout ou rien. Polarisé, ça se balade de l'un à l'autre. Il y a un lien entre les deux. À Cuba, on a une gnose. Oui. En fait, les Espagnols, quand ils sont arrivés à Cuba, ils voulaient exploiter les champs. Donc, ils ont fait venir des Africains, principalement des Africains du Niger, oui, qui avaient leur religion. Oui. Et quand ils sont arrivés, ils ont voulu les forcer à se reconvertir à la religion chrétienne. Donc du coup, pour pouvoir pratiquer leur religion, les Africains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des personnages de la religion chrétienne et en fonction du profil de chaque personnage, ils ont associé des personnages de leur religion à eux. Oui. Ce qui fait que quand ils allaient et qu'ils allaient pour prier devant une statue de tel ou tel personnage de la religion chrétienne, ils étaient en train de célébrer leur propre religion. Leur dieu, leur rituel, je ne me souviens plus. Tu et vois, ça s'appelle noms, mais... comment cette gnose? C'est la Santeria. La Santeria. À Cuba. D'accord. Ouais. Ben, c'est exactement comme ça qu'une gnose est créée. C'est-à-dire qu'on reconnaît le pouvoir du christianisme quelque part, mais on y intègre nos rites anciens pré-adamiques, tout simplement. Hein, ouais. On va parler en termes d'adamique et de pré-adamique. Ouais. Ok. Donc effectivement, quand on sait tous les cataclysmes que ces rites pré-adamiques ont créés, vous savez comment la Pangée s'est disloquée, vous savez tous les cataclysmes pré-génèse qu'il y a pu y avoir, la Terre était informée vide, la Terre est devenue informée vide, on est en droit de se demander, voilà, est-ce que ces rites, ces rituels, hein, tu disais, ils engorgent des poulets, ils tuent leur premier-né. Ouais, j'avais un cousin qui était prêtre de cette religion, il te parle de Jésus, tout ça, puis après il va derrière, il égorge des poulets, il fait des sacrifices et tout, quoi. Voilà, mais c'est ça, mais c'est exactement ça une gnose, c'est la paganisation du christianisme. Alors que, ça aurait dû être l'inverse, c'est le christianisme on aurait dû christianiser, mais en fait, le baptême, c'est ça, le principe du baptême, c'est je christianise le gentil, le païen. Je le transforme. D'accord ? Je lui donne l'Esprit Saint. Alors que la gnose, c'est l'inverse, et je paganise le christianisme. Donc ça, c'est important. C'est les rites qui n'ont pas voulu être perdus, donc c'est vraiment important. Alors, est-ce que cette aseptisation fonctionne ? Est-ce que ce premier plan de l'agenda gnostique fonctionne ? Mais force est de constater que oui. Que oui. Voilà, force est de constater que oui. Donc les médias sont les plus grands, on va dire, complices de cette aseptisation. Là-haut, je vous ai mis Cyril Hanouna avec des gens qui sont un peu bêtes. Il y en a une qui est assise sur son cerveau, l'autre il a carrément le cerveau dans les mains. Et bien sûr, il y a Emmanuel Macron qui s'en va. Hein, et là, il dit le grand débat, la cote de Macron remonte. Okay, donc si Cyril Hanouna le dit, c'est que c'est vrai. Okay, donc on est dans cette... voilà, là vous avez ce truc à côté, divertissez-vous,
oubliez le reste, la pilule ne passe pas, rassurez-vous, nous sommes là. Donc voilà, hein, les talk shows, les télé-réalités, les blockbusters, les Netflix, on est tous dedans, on se fait tous avoir par l'agenda gnostique à un moment donné, sauf si bien évidemment on le fait en conscience. Hein. Vous avez Walt Disney aussi qui est très fort avec ça, vous avez le dessin animé du Livre de la Jungle où là c'est très symbolique, hein, le petit Mowgli se laisse donc hypnotiser, pas par n'importe quel animal, mais par un serpent. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, chez les gnostiques, le serpent est un bienfaiteur de l'humanité. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il hypnotise, il donne le savoir caché, le savoir secret, et surtout, on le verra, le serpent libère le féminin. Bien gardé dans vos têtes. Okay. Donc là, il y a, bon, c'est écrit en anglais. I know the secret of making the average American believe anything I want him to. Just let me control television. You put something on television and it becomes reality. If the world outside the TV sets contradict the image, people start trying to change the world to make it like the TV set images. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il dit, la personne qui dit ça, c'est un une des personnes aujourd'hui qui est un gnostique reconnu, qui justement, il y a alors on va rentrer dans le complotisme, le conspirationnisme, mais c'est des choses avérées. Il y a des gens à la CIA, au FBI, à la NSA, dans toutes ces choses-là, qui étudient comment contrôler un maximum de personnes. Et il dit, il connaît le secret de faire en sorte que l'Américain moyen croit tout ce qu'il veut. Il lui dit, laissez-moi contrôler la télévision. Si je contrôle la télévision, les gens, ça va devenir la réalité. Combien de gens autour de vous, avec qui vous avez voulu partager vos savoirs secrets, vos savoirs, je dirais pas gnostique, mais presque, vos savoirs, et qui vous ont dit, mais de toute façon, j'ai pas. À partir du moment où ils l'ont pas vu aux 20h, ils ne le croient pas. Hein? Si BFM dit que c'est les frères Kouachi qui, parce qu'on les a jamais vus, nous, physiquement, les frères Kouachi. On ne sait pas, parce qu'il faut les mecs qui sont sur une île, on ne sait pas. Mmh. Tu vois ? Mais à partir du moment où la télé le dit, c'est que c'est vrai. Ouais. Hein, d'ailleurs, je me rappelle, avant les attentats de Charlie Hebdo, il y avait un petit gars qui devait être à l'école ce jour-là. Il avait séché les cours, et il regarde la télé, et puis il faisait partie des gens qui étaient recherchés. Donc il s'est pointé au commissariat, il fait « Ah non, moi j'étais en train de jouer au baby devant le lycée, il y a un problème, les mecs. Hein » Mais la télé, à ce moment-là, n'avait fait... Donc c'est important... Hier, on a beaucoup parlé de l'affaire Grégory, parce que sur Netflix, on a un documentaire en ce moment, et on voit à quel point les médias ont manipulé ses pauvres parents, que même le père est allé tuer son cousin sous l'impulsion de ce que disaient les journalistes. Aujourd'hui, le plan gnostique marche à merveille grâce au divertissement, et grâce aux jeux vidéo, grâce à toutes ces choses-là, c'est-à-dire toutes les choses que je fais le soir quand je rentre. Hein? Voilà, mais on le fait en conscience. À côté de ça, j'ai un savoir qui me permet d'avoir du recul, de la hauteur. Hein, c'est important. D'accord ? On peut divertir l'ego, on peut nourrir l'ego avec ces choses-là, tout en ayant conscience que c'est un écran de fumée. Ok, Noam Chomsky, la fabrication du consentement. Tout à fait. Allez, on y va. On y va, on continue. Donc, le deuxième plan de l'agenda gnostique, c'est l'orientalisation de la chrétienté et de la religion. Alors quand je dis orientalisation, c'est aussi la paganisation, d'accord ? Donc la gnose est une paganisation orientale de la Bible, agrémentée de zoroastrisme et de manichéisme. C'est pour cela qu'elle est naturellement hérétique et blasphématoire. D'accord ? Donc les catholiques se sont servis du côté hérétique de la gnose, qui pratiquaient eux-mêmes. Puisque je vous donne un exemple tout bête, hein, là on y arrive bientôt. On a attribué la naissance de Jésus au 25 décembre. Alors qu'on ne fête pas la naissance vraiment de Jésus, on fête la renaissance du cycle solaire. D'accord ? La renaissance du Christ solaire. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le solstice d'hiver. D'accord ? Donc voilà comment on gnosifie un peu la chrétienté. On attribue à Jésus une date de naissance. Parce que comme il est Christ, on lui attribue une date de naissance qui, elle, est païenne. D'accord ? Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. D'accord ? Donc, bien comprendre donc que, par défaut, la gnose est hérétique et blasphématoire. En quoi la date est païenne, chérie ?
Parce que pendant des milliers d'années, les Romains fêtaient le solstice le 25 décembre. C'est une fête païenne, tout simplement. Ah, d'accord. C'est qu'à la base, c'est une fête païenne. Comme le sapin de Noël, par exemple, qui est une marque, en fait, des fêtes saturnales nordiques. Donc, quand vous entendez Saturne, vous entendez Shabbat, Saturne. Hein. L'arbre de Noël, en fait, est un rite païen qui a été amené dans le christianisme, dans ce qu'on appelle le Christmas, la messe du Christ, d'accord ? Et justement, cet arbre de Noël n'a rien à voir. T'as déjà vu des sapins en Galilée, toi ? C'est quoi le rapport ? C'est clair. Hein, juste ça, juste réfléchi. Ouais, c'est clair. Hein, d'accord ? Ouais. Donc non, tu vas trouver de la myrte, tu vas trouver plein d'arbres, des oliviers, tu vas en trouver. Ouais. Si on décorait un olivier le soir de Noël, je dirais ok. Non, c'est une paganisation du christianisme. C'est-à-dire que ce courant, en fait, souvent des fois on me dit, mais pourquoi ils ont fait ça ? Mais parce que le christianisme devenait tellement fort qu'il fallait l'étouffer. Il fallait le canaliser. Pour le canaliser, le gnosifier. Parce que ça devenait hors de contrôle. Ok ? Mmh. Donc, dans l'audioétude, on a vu que donc on a une opposition du bien et du mal. Ça, on revient sur ton... Sur ton petit résumé, ce monde est mauvais et créé par un démiurge, le dieu des Hébreux. Donc là, le dieu d'Abraham devient le démiurge et ses archontes. D'accord ? Donc on a une opposition archonge-archange et démiurge-dieu. Donc pour eux, les archontes sont méchants. C'est normal, admettons que tu es un démon. Ben, tu vois un archange arriver, il est méchant. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai toujours pas compris. Comment les gens n'ont pas compris que la gnose était la version païenne, donc luciférienne, de l'histoire ? Comment tu peux à un moment donné te positionner et dire, bah, en fait, Dieu et les anges, c'est des connards ? Mais si tu es un esprit justement gnostique, manichéen, on va dire, tu vas te dire, bah, en fait, il n'y a qu'un démon qui peut penser ça. Et si tu te mets à la place du démon, tu fais effectivement, tu vois le gars, enfin, tu vois ses énergies arriver qui te défoncent, elles sont méchantes. Mais pourquoi elles me défoncent ? Personne ne se pose la question. Hein, c'est toujours quand tu vas rencontrer un gars qui te prend la tête, tu vas t'énerver un peu, tu vas lui faire des menaces. C'est toi qui vas te faire invectiver. Mmh. Alors que personne ne se demande pourquoi tu lui as fait des menaces. Personne. Typique prêt hein, comme comportement. C'est un typique, mais oui. Mais alors, moi, je te donne un exemple footballistique, hein, excusez-moi. Hein. Un exemple footballistique. Zidane, finale de la Coupe du Monde 2006, il met un coup de boule à Materazzi. Tout le monde retient l'image du coup de boule. Mais personne ne pense à qu'est-ce qui a fait que Zidane, il a pété un plan au point de mettre un coup de boule à un gars sur un match. L'autre, il a insulté sa mère, il a insulté sa sœur pendant tout le match. Il lui a fait péter les plans. Mais non, c'est parce que Zizou, il est arabe, il est kabyle, les kabyles, ils sont nerveux. Tu vois, tout de suite, on trouve... Non, c'est que n'importe qui, tu insultes sa mère pendant 90 minutes, moi, c'est pas un coup de boule que je lui mets. Le gars, il arrête le foot après. Mmh. Il manque un bout à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça aussi, c'est toujours se demander, mais pourquoi, à un moment donné, alors on a cette histoire qui nous raconte que Dieu est bon, Dieu est créateur, Dieu ceci, Dieu il est omniscient, Dieu, il crée des anges, qui aide les humains, et tout d'un coup on a une autre histoire qui nous dit non, en fait non, c'est non. Ben oui, c'est parce qu'il y a toujours deux camps dans une guerre. Et voilà, et la gnose, c'est ni plus ni moins que la vision de tout ça vue de l'autre camp. Okay. Qui a une grande capacité à se victimiser. Ah non, mais de toute façon, c'est leur truc, la victimisation. C'est leur spécialité, la victimisation. Ouais. Hein, les pauvres. Bon, en tout cas. Donc, la gnose encourage donc le sexe récréatif et non reproduction. Donc, il y a un peu... dans la gnose, il y a une espèce de contradiction par rapport à la sexualité. Donc, d'un côté, on prend la promiscuité, c'est-à-dire... Bah, vu qu'on est dans la chair, quitte à y aller, mais allez-y. Et d'un côté, on prône la chasteté. D'ailleurs, la chasteté, qui est un archétype du catholicisme. Ouais. Parce que dans les autres religions chrétiennes, les pasteurs, ils ont le droit d'avoir des enfants, ouais. Les révérends, les choses comme ça. Moi, j'ai parlé avec un révérend au Canada, il me disait, mais comment je peux aider des couples si moi-même, je ne suis pas en couple ? C'est clair. Voilà, mais comme ils sont contre le mariage, c'est pour ça que les catholiques, ils sont un peu contradictoires.
Ouais, c'est contradictoire. Mais même la gnose est contradictoire, parce que c'est comment tu peux créer le plus de confusion possible en étant contradictoire? Et le contradictoire est le propre de l'adversaire du shaitan, de Satan. De créer le... Voilà. Donc ce qui est cher et sale par définition, la gnose, on a vu que c'était une déjudaïsation des écrits. Donc il y a un énorme antisémitisme. On a viré tout ce qui était entre Noé et Jésus. D'accord ? Dans tout ce qui est l'histoire d'Abraham, Moïse, les lois de Moïse, tout ça disparaissent. D'accord ? Donc ça, c'est important. C'est important pour... dans la mécanique, de vouloir virer tout ce qui est hébreu, tout ce qui est juif, en tant que tel. Ça va nous permettre de comprendre des moments de notre histoire aussi, l'histoire de l'humanité. Pourquoi on s'en prend aux juifs, à ce moment-là, ils sont le peuple élu. Excuse-moi, cher. Pourquoi on se met comme ça, avec eux, hein, parce qu'on est pris dans un agenda gnostique. Okay. Dieudonné, si tu m'écoutes, ne tombe plus dans le panneau. Énorme antisémitisme. Donc, la gnose est luciférienne. Donc, ça, il faut que ce soit dit, que ce soit accepté. Elle est luciférienne par sa paganisation. D'accord ? Elle est luciférienne par défaut. Puisque tout ce qui est basé sur le paganisme, la gnose, est basé aussi sur l'adoration du féminin sacré et de la terre-mère nourricière. C'est l'un des archétypes principaux de la gnose. Ok ? On le verra plus tard. Dans la gnose luciférienne, elle est en opposition au dieu méchant des juifs. Et une autre chose qu'on avait notée dans l'audio-étude, c'est le végétarisme. Mm-mm. D'accord ? Le végétarisme. En commun avec le bouddhisme. Aussi la gnose, là, en commun avec le bouddhisme. Oui, oui, oui. Le végétarisme ? Ouais. C'est ce qui était dit dans l'audio. Ouais, alors que Bouddha, quand même, il mangeait des petits cochons de lait. C'est pour ça que c'était Bouddha. Hein. Donc, ce végétarisme, on verra qu'effectivement, il est gnostique. Et s'il est en corrélation avec le bouddhisme, c'est parce que les bouddhistes avaient un savoir de savoir quoi manger pour se connecter à telle ou telle chose. Et c'est surtout qu'on se demande même, l'auteur de Roland Huro se demandait même si le bouddhisme n'était pas un dérivé de la gnose, et non pas l'inverse. D'accord ? Donc, parce qu'effectivement, les premiers écrits arrivent très tard. On est 6e siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme, quand même. Alors que Bouddha, lui, aurait vécu 6 siècles avant. Donc, on se demande, est-ce que le bouddhisme écrit tel qu'on le connaît n'aurait pas été influencé par la gnose ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un bouddhisme original, celui de Bouddha, celui de Siddhartha ? Ouais. D'accord ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un bouddhisme aussi, comme de la même façon que le christianisme et le catholicisme, est-ce qu'il n'y aurait pas un bouddhisme détourné par la gnose ? Ok ? Parce qu'il faut comprendre que le principe Bouddha mangeait du boudin, tout à fait Benjamin, mangeait du boudin. Est-ce qu'on n'est pas justement avec ce gnosticisme, avec un courant qui détourne absolument tous les savoirs universels pour son pouvoir ? On va voir que c'est peut-être le cas. Donc c'est pour ça que je rejoins un peu l'auteur de ce côté-là. À un moment donné, tout ce qui se passe entre le 2e et le 8e siècle, on ne sait plus en fait. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus quoi appartient à qui, parce que la gnose passe irrémédiablement par là. Donc il faut bien se rappeler de ça. On y va. Donc est-ce que cette paganisation, orientalisation fonctionne d'après toi ? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu sens dans telle ou telle chose qu'il y a quand même une orientalisation ? Est-ce que tous les jours, soit dans les choses que tu as apprises, soit dans je ne parle pas que des restaurants chinois, hein, je parle de tout, est-ce que tu sens une orientalisation et où tu la sens ? L'orientalisation, moi, je l'ai beaucoup sentie dans les soins. Ok. Dans tout ce que j'ai appris. On va pas plus loin. Et la paganisation, tu la sens où ? Je connais pas trop. Mais la paganisation, c'est tous les rites païens. Hein. C'est tout ce que... Moi, j'ai appris certains rites païens... Tu vois, à Noël, je savais pas. Auxquels... Non, mais j'ai appris certains rites païens auxquels je... Alors, des rites grecs. Par exemple, le premier rite grec que j'ai appris, ben, c'est la numérologie. Mais par contre, je l'ai très, très vite dépaganisé. Ouais. Je l'ai christianisé, puisque je l'ai mélangé avec la géologie. Tu vois, je l'ai fait raisonner, hein, c'est cerveau droit, cerveau gauche. Ok, je prends un côté, je prends l'autre, boum, je les mélange, je vois ce que ça donne. Et ça fonctionne. Tu vois, la lecture angélique, c'était ça en fait. C'était une re-christianisation de la numérologie.
tu vois. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que tu sens cette paganisation, quelque part, ces rituels païens, un petit peu, de sorcellerie, de utilisation à la télé, beaucoup, je trouve. De quoi ? À la télé, toute la période Moyen-Âge, on la retrouve beaucoup dans les séries, tout ça. Oui, mais justement, dans ces séries, on retrouve cette paganisation. Oui, c'est ça. Hein, on le verra, par exemple, les Templiers, puisque tu en parles. Les Templiers, c'est le meilleur exemple. C'est que, habitude, au départ, ce sont des... Ce sont des soldats du pape, ce sont des soldats chrétiens, mais ils ont à l'intérieur de l'ordre du temple des païens. D'ailleurs, le créateur des Templiers, ça, on le verra, on a une conférence dessus, hein, il s'appelle Hugues de Pain. Et ça s'écrit païen, t'enlèves le E en fait, Hugues de Payne ou Hugues de Pain. Et Hugues de Pain, en fait, les Templiers, ils avaient une relique, ils ont gardé son crâne. Et ils ont... mélangé à son crâne, je crois que je l'avais mis sur le... Je vais repartir en arrière. Hop, voilà. Ils avaient ajouté à son crâne l'entité que vous voyez en dessous, là, de Hugues de... Ouais, lui, c'est... En bas à gauche. Jacques de Molay, en haut. En bas à gauche, ils avaient ajouté, donc, ce qu'on appelle le Baphomet. Ok, le Baphomet qui est justement le gardien, il garde les secrets. C'est le Baphomet, c'est la représentation de Satan qu'on connaît tous. Ok, de cet ange à tête de bouc qui est avec le caducée de Hermès. Il rassemble tout ça. L'une des paganisations les plus connues que nous on vit tous les jours, c'est la pharmacie. Quand tu regardes le symbole de la pharmacie, la croix avec le caducée. On est dans cette croix donc chrétienne. Ouais, c'est ça que je voyais. Et on a le caducée de Hermès qui représente la médecine. Ouais. D'accord ? Donc, Benjamin en a trouvé un. Halloween. Halloween, très bien. Le fait que le monde soit mauvais, ça vient des païens. Tu vois, il ne faut pas rentrer dans un. Là, tu es en train de rentrer dans un manichéisme. Tu dis le monde est mauvais. Ouais. C'est païen comme croyance ? Oui, parce que tout ce qui est matière est forcément pourri. Les alchimistes pensent ça aussi. Tout ce qui est matière, tu vois, chaos. Moi, mais les kabbalistes pensaient ça aussi. Ça m'a beaucoup marqué, en fait, ce point-là. Parce que tu me demandes comment ça me parle au quotidien, le paganisme. Et bien, ce côté, le monde est mauvais. Moi, je trouve qu'avec tout ce qu'il y a en ce moment, on nous fait beaucoup culpabiliser. On consomme trop... Il faut faire du tri sélectif, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Ça, c'est du. Je trouve que c'est de l'agenda gnostique. Quand tu rentres dans cette manière de penser, tu rentres dans une grande culpabilité, tu as presque envie de te dire, faut que j'arrête d'exister en fait. Parce que tout ce que je fais est mauvais pour la terre. C'est très gnostique, puisqu'ils sont dans la défense. Faut pas manger de viande. Alors attention, parce que là, tu rentres dans un manichéisme, calme-toi. D'accord. Je le dis tout de suite, parce que effectivement on est dans le c'est pas bien, on est dans la culpabilité, on est dans tout ça. Il faut savoir que, et là je tiens à ce que les gens qui m'écoutent soient quand même conscients de ce que je dis, ça va peut-être choquer des gens, mais ils sont dans la protection de la planète, ils s'en foutent des humains. Eux, ce qu'ils veulent protéger, c'est la terre, ok, la terre mère, ok. Quand j'ai dit s'en foutent des humains, ils s'en foutent des gens qui ont une âme. Eux, ce qu'ils veulent protéger, c'est la terre mère, pour que la terre mère les protège. Okay, donc forcément cette culpabilité, elle est gnostique. Tu ne protèges pas la terre mère. Attention, ça ne veut pas dire, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'il ne faut pas la protéger ou qu'il ne faut pas en prendre soin. Eux, ils le font pour des raisons précises. Manipuler les énergies telluriques. Donc, je donne à la terre ce qu'elle veut, c'est une espèce de négociation, c'est y a un intérêt. Ah, win-win. C'est cet intérêt qui a fait qu'ils ont, échappé à tous les cataclysmes jusqu'à présent. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger la Terre. Mais croyez-moi, si la Terre elle a un problème, elle se frotte le dos, comme il dit George Carlin, on n'existe plus. Ok ? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger la Terre, je dis juste que les gens qui vous disent de protéger la Terre, c'est... L'intention qui est derrière qui n'est pas bonne. Ils ont une intention qui est intéressée et qui est gnostique. Et ça va être valable pour tout ce que je vais dire ce soir. Je vais montrer les choses du doigt ce soir. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Je dis juste qu'elles sont là pour des raisons. Je vais montrer le mécanisme qui amène ces raisons. Et je vais montrer que les gens adhèrent à certaines choses
non pas par vocation ou par savoir ou par connaissance de ce qu'ils font, parce que j'ai assez prouvé que les énergéticiens, par exemple, savent même pas ce que c'est l'énergie, les numérologues savent même pas ce que c'est la numérotation, tu vois, ils savent même pas ce que c'est quoi un système de calcul, mais qu'ils le font par effet de mode et qu'ils le font surtout parce qu'ils tombent dans le panneau de l'agenda gnostique. Parce que l'agenda gnostique, au lieu d'amener de l'orientalisation, il aurait pu amener, je sais pas moi, de la nordification. Il aurait pu amener le savoir de médecine des Nordiques. Pourquoi il amène le savoir de médecine asiatique, orientale? Pourquoi aujourd'hui la plus grande loge de France s'appelle le Grand Orient? Réfléchissez. Cette orientalisation, elle a un agenda et elle est manipulée par des gens. Ok? Très important. Très important. Donc on y va. Donc toi, toi tu la vois. J'ai vu Benjamin, il a donné un super exemple de paganisation. C'est la montée de Halloween. La Saint-Valentin aussi. La Saint-Valentin. Demain, nous sommes le Black Friday. Vous savez quoi est rattaché le Black Friday? À la chute des Templiers. Le Vendredi Noir. Ça n'a rien à voir avec acheter des affaires là. Ok, le Black Friday, c'est le 13 octobre 1307, d'accord, un vendredi 13, et le Black Friday, c'est le vendredi noir où les Templiers ont chuté. Donc demain, les gens vont aller dépenser au dieu argent, le dieu argent créé par les Templiers, ouais. Ok, ouais. Ils vont aller vénérer, voilà, demain les gens qui vont aller acheter des affaires, ils vont aller vénérer le dieu des Templiers qui est Baphomet. Qui n'ait jamais été le Christ. D'accord? C'est Baphomet. Il y avait, je ne dis pas que tous les Templiers n'étaient pas des soldats du Christ. C'est pas ce que je dis. Je dis mais que les hauts Templiers étaient des gnostiques. Ok? Parce qu'ils ont orientalisé le truc. Donc demain, le Vendredi Noir est une paganisation. D'accord? C'est un rite païen au dieu Baphomet. Ok? Très important de savoir ça. C'est comme chez les Hébreux, tu as Shabbat et tu as le Black Shabbat. Shabbat, c'est Saturne. Tu as le bon Saturne et le mauvais Saturne. The Lord of the Ring. Le Seigneur des Anneaux. Ces films du Seigneur des Anneaux, on l'a vu dans, quand on a étudié les films et Hollywood dans l'Arche du Savoir, il y a un côté païen, pré-adamique, très présent. Et aujourd'hui, tu vois que c'est les films, là, les Game of Thrones, c'est là la paganisation de l'humanité. Elle se fait par là. Tu vois, les gens, ils kiffent quoi? Ils kiffent ces films, là, Game of Thrones, World of Warcraft, les jeux vidéo, où tu revis un peu le pré-adamisme. Donc, est-ce que cette paganisation, orientalisation fonctionne? Oui, elle fonctionne. Elle fonctionne déjà avec ce qu'on va appeler le New Age. Ok, donc là, le New Age, je suis désolé, aujourd'hui, quand je vais sur Internet, sur les sites soi-disant conscients, d'accord ? Les images que je vous ai mises à l'écran, je suis désolé, je sais que certains d'entre vous les ont vues, revues et utilisées. Je suis désolé, les gens. Vous ne vous cacherez pas avec moi, j'étais au milieu de vous. Je vous connais. Ok ? Donc oui, vous vous êtes fait avoir par l'orientalisation et la paganisation. Enfin, là, à l'écran, on a l'orientalisation. Donc, selon l'étude de Wouter Annergraff, cinq courants thèmes principaux pourraient cependant être distingués plus ou moins précisément dans la mouvance New Age. Donc, le channeling, mes amis channelers, le channeling, c'est New Age. Le channeling, ça a toujours existé, mais ça a été plus qu'utilisé par les gnostiques et les païens. D'accord ? Ok, la génétique, je vous ai fait des cours de génétique, ne devrait pas permettre le channeling extérieur. Moi, les grands channelers que je connais, ils m'ont dit, je ne canalise que mon énergie. Et même si mon énergie, elle s'appelle Bachar, même si mon énergie, elle s'appelle Barbapapa, elle vient de mon arbre génétique. Point barre. Donc, le channeling, le fait de recevoir et de transmettre des informations, des messages et des révélations par une autre source que sa propre conscience. Ok, comme des anges ou des autres entités assimilées. La guérison et le développement personnel, voire psychologique transpersonnel, et le mouvement potentiel humain. Donc, la plupart des gens qui sont dans le channeling,
Non, mais il est ton Benjamin demande si son avatar est New Age. Donc Benjamin a ce qu'on appelle un yin et un yang, qui est le symbole du taoïsme. D'accord ? Mais le fait que tu utilises cet avatar, Benjamin, tu contribues à l'orientalisation des consciences. Donc tu contribues à l'agenda gnostique. Ça ne veut pas dire que le symbole est mauvais en soi. Ça ne veut pas dire que ton utilisation est mal intentionnée, mais en l'utilisant, tu participes à l'agenda gnostique. Alors qu'à la base, ce symbole est un symbole justement très précis, très symbolique, de la polarisation, mais c'est un symbole qui doit être utilisé dans un certain contexte, à un certain endroit. Benjamin Morfin, habitant dans le centre de la France ou dans le nord de la France, je ne sais plus trop où tu habites, Benjamin, qui utilise ce symbole, ça n'a aucun sens. Ça n'a que de sens que l'orientalisation de l'Europe par les païens et par les anciens grecs, les anciens perses et ainsi de suite. Et les coptes et toutes ces mouvances qui veulent paganiser le monde. Oui, oui, non, mais tu t'es fait avoir comme un bleu. C'est pour ça que moi, je crée mes avatars. Tu vois ? J'utilise pas des symboles. Si j'utilisais des symboles existants, je fais une création. En fait, vous allez le voir, je vais vous l'expliquer, parce que moi je suis pas du style à vous montrer du doigt et pas vous donner des solutions. Ce qui est important, et souvent je parle de Tamara qui, elle, fait ça très bien, c'est créer. Soyez créatif. Chambéry, voilà, c'est ça. Soyez créatif. Ok ? C'est important. Prenez le truc et créez avec. Faites votre. Je sais pas combien de fois j'ai répété aux gens qui venaient me voir en consultation, crée ta propre méthode. Je pense que c'est une des phrases que j'ai répété quasiment systématiquement à tous les thérapeutes qui venaient me voir. C'était un devoir pour moi. Parce que je les voyais tomber dans l'agenda gnostique et je me disais, c'est un devoir pour moi de leur dire, crée ton truc. Si vous avez un quelconque don de soin, ou quel qu'il soit, qui soit prouvé par la science ou pas, je ne suis pas là en train de juger. Je dis simplement, créez votre truc. Vous avez un ADN, vous avez une spécificité, et c'est justement l'un des principaux besoins de l'agenda gnostique, c'est de vous montrer des méthodes vieilles de 10 000 ans pour que vous restiez dedans. Que surtout pas, l'agenda gnostique, l'un des grands trucs de leur agenda, c'est surtout ne développez pas votre potentiel. Ils ne veulent pas que vous développez votre potentiel. Ça les détruirait, ça détruirait leur plan en fait. Ils empêchent les gens d'utiliser leur pote qui vient du ciel. Leur pote en ciel. D'accord ? Hein ? Jeu de mots. Ça aussi c'est très gnostique, la langue des oiseaux. La langue cachée. Ok ? Sachez, et c'est important, justement pour comprendre. Moi j'ai étudié la langue des oiseaux, j'ai étudié le langage, le linguistique avec Jordan Maxwell. Et justement, j'ai vu comment ces gens-là réfléchissaient du coup. Donc moi, ça m'amusait de décortiquer les mots. Parce que quand vous décortiquez les mots, vous décortiquez leur agenda, gouvernement. D'accord ? Qui dirige ton mental. Mais il te donne une autre définition. C'est ça le gnosticisme. C'est ça l'agenda gnostique. Il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. C'est évident. Sauf que votre cerveau n'est pas... Voilà. Donc on vous apprend des choses, on vous amène des choses. Regardez le premier dessin en haut à gauche. Là, on est carrément dans l'Inde profonde. Là, on est on attend les sitars là quand on regarde cette image. D'accord ? C'est important. Leur but, c'est que vous ne développiez pas votre potentiel. Donc vous allez aller de formation en formation. Vous allez aller de vidéo en vidéo. Vous allez apprendre plein de choses. Quand vous voulez vous former à une méthode, formez-vous à des nouvelles méthodes. Regardez, Tamara, elle est en train de vous enseigner, elle est en train de vous former à sa méthode. C'est nouveau. Elle n'est pas allée chercher ça. Bien sûr, elle va utiliser un petit peu de Pono Pono, elle va utiliser un petit peu de ceci, un petit peu de cela, mais ça reste sa méthode. Ok ? Moi, si j'ai un conseil à donner à Tamara, tu veux enseigner le Pono Pono, va à Hawaï. Elle va me dire, bien sûr, quand elle va y aller, elle kifferait à Hawaï. Mais va chez les gens. Moi, j'y suis allé, j'ai vu les gens. Voilà, c'est une hygiène de vie. C'est quelque chose de puissant. Là, on n'est pas dans l'orientalisation, on serait plutôt dans la lémurialisation. Mais c'est quelque chose, ce sont des techniques ancestrales. Je ne dis pas qu'elles sont invalides. Je dis qu'aujourd'hui, elles sont utilisées pour alimenter l'orientalisation de l'humanité et la paganisation de l'humanité. D'accord ? On essaye de...
on essaye de prendre les énergies christiques et de les paganiser. Hein? C'est un peu le combat symbolique entre Lucifer et Michael. Lucifer veut prouver à Michael et à Dieu que les humains ne sont pas bons, donc il fait tout pour que les humains aillent de son côté. C'est un combat, en fait, on est entre les deux, là, entre Michael et Lucifer, et les deux se battent pour nos âmes, en fait. Donc, important, peut-être qu'il y a un troisième choix dans le libre-arbitre que personne ne connaît. Hein, souvent, quand j'explique le libre-arbitre aux gens, j'ai dit, oui, mais il y a, en fait, dans le libre-arbitre, il y a trois choix. Il y a le choix numéro 1, il y a le choix numéro 2, et il y a le choix numéro 3 qui est de ne pas choisir entre le 1 et le 2. Et ça, c'est Gabriel qui l'amène, ce choix-là. Le choix de ne pas choisir. Et en fait, le vrai libre-arbitre, c'est prendre ce choix. Le choix de ne pas choisir. Ça, c'est un rabbin qui m'a dit ça. Un jour, il m'a dit ça, j'ai dit, attends, il est malin, lui. Donc voilà, donc là, on vous amène donc les images de... Alors là, moi, ce que je veux vous montrer, je dis pas que les techniques asiatiques, orientales, sont mauvaises. Je veux juste vous montrer le processus de transformation de notre énergie, on va dire, christique, en énergie orientale. Et j'espère que vous faites la nuance. Je ne critique pas les techniques de méditation, les techniques, les chakras, les moncules et tout ça. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je veux vous montrer la transformation, le processus de transformation ou d'édulcoration aujourd'hui de tout ça. Donc c'est pour ça que là vous avez l'image là à côté de cette personne qui médite là en bas à gauche. On a une personne qui médite dans les 7 chakras et elle se trouve au milieu du cube de Métatron. On est en plein dans une image New Age où on utilise le cube des Métatron de la Kabbale angélique, d'accord? On utilise les 7 chakras donc qui sont purement une connaissance et un savoir oriental, en position du lotus qui est lui-même une posture orientale. Donc on voit bien qu'on a la Kabbale juive d'un côté, de l'autre côté on a le système orientalisé, on est en plein dans le New Age. Moi quand je vois des gens sur internet qui sont en plein dans ces trucs-là et qui me traitent moi du New Age, excusez-moi, j'ai besoin d'un Imodium. Ça me colle la diarrhée. Parce que les gens qui vont te traiter de New Age, la plupart du temps, c'est eux qui véhiculent le maximum de paganisation et de New Age. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le New Age. La plupart du temps, c'est les New Age eux-mêmes qui accusent les autres de New Age parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont New Age. Mm-hmm. Tu vois, et ils sont là avec leur étendard New Age, attention au New Age, attention au New Age. Et après, ils vont te dire, bon, j'ai prié les 7 maîtres ascensionnés. C'est les 7 maîtres ascensionnés qui m'ont dit que Cyriliel était New Age. Ouais, c'est comme si tu dis c'est Ferrero qui m'a dit que Cyrilien a mangé le Nutella, quoi. T'es con ou quoi? Tu vois? Et justement, ces fameux 7 maîtres ascensionnés, c'est ni plus ni moins qu'une représentation des 7 chakras qu'on a essayé à la fois d'orientaliser, d'européaniser. Par exemple, on a Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, la flamme violette. Qui est mais la quintessence de la paganisation et de l'hermétisation et Maître Saint-Germain, c'est le maître incontesté de la gnose. C'est la pierre philosophale. D'ailleurs, il était vivant, c'était le mari de Sheila à un moment donné ou de Dalida, je sais pas. Si vous tapez mari de Dalida sur internet, il y a un gars qui se prend pour Maître Saint-Germain. Bon, voilà. Je veux dire, c'est Sananda. On te dit que Jésus, c'est Sananda. Bientôt, on va te dire que Shah Rukh Khan et Haché Wariare, c'est Joseph et Marie. On est là, quoi. Tu vois? Pour ceux qui connaissent Bollywood, ils ont du sourire. Tu vois? Moi, je suis un fervent défenseur des pensées de Gandhi. D'accord? Gandhi, oui, mais Gandhi, c'est un Indien en Inde. Ok, il n'est pas venu, au Trocadéro à Paris, devant la Tour Eiffel, hein, pour prêcher, Gandhi. Tu voulais aller voir Gandhi, t'allais en Inde. Il est venu en Angleterre, je sais, plusieurs fois pour parler avec... Voilà, mais voilà. C'est qui ce maître Saint-Germain? Ben, c'est un gars, il a une équipe de foot. Hein? Alors, en quoi c'est Bad Merkaba plus orientalisation? En quoi on est sur des associations de savoir? Parce que la Merkaba, en fait, c'est un savoir. Alors, par exemple, je te donne vraiment un exemple de paganisation et de gnosification. Mais tu vois, tu as une... Je vais faire comme avec Tonia. Tu as une pensée gnostique en ce moment. Tu as une pensée manichéenne. Tu penses que... J'ai jamais dit que c'était bad. Je veux juste te montrer
le processus d'assimilation des deux. Moi, tout à l'heure, je rapportais quelque chose. Je rapportais des... C'est pas moi qui disais ça tout à l'heure. Bon, bref, c'est pas grave. De quoi ? Non, c'est pas grave, chérie. Si, parce que tu m'as dit, est-ce que c'est mauvais, le truc ? La terre est mauvaise. Oui, mais je parlais des gnostiques qui disaient ça. Oui, ils disent ça. Voilà, oui, et je te demandais si ça venait du paganisme. Okay. J'ai pas dit la mais terre dans mauvaise. Mais dans la réflexion, il faut jamais penser, mais de toute façon, vos égos sont formés, formatés là-dessus, il faut jamais penser que ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de mettre... en porte-à-faux les choses. Je suis pas en train de les opposer. Je suis juste en train de vous montrer le processus de paganisation de l'énergie christique. Par exemple, ce qu'on appelle le Wesak. Le Wesak, c'est la rencontre de l'énergie bouddhique et de l'énergie christique. C'est un truc purement gnostique. Ok ? Tout à l'heure, tu disais, chérie, que... tu sais, par exemple, pour tout ce qui est thérapie, tu apprends des thérapies et du coup, ça t'éloigne, toi, de ton âme, de ce que tu es, de pratiquer, du coup, ta propre technique, ta propre méthode. Est-ce que le fait de pratiquer des techniques, donc du coup, New Age, tout ça... Attends, je vais répondre à Tamara parce qu'elle continue ses questions. Elle me dit, ok, ça sonne un peu bad quand même. Ça sonne un peu bad parce que ton cerveau enfin, je suis en train d'aller piquer un petit peu dans des endroits qui vont te gêner. Donc déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça sonne bad, parce que oui, effectivement, il y a une partie de moi qui pense que c'est bad que vous ne soyez pas conscient de ça, et qu'on le fasse de façon détournée, et qu'on le fasse de façon... Moi, ce que je mets en lumière et que je montre qui n'est pas correct envers l'humanité, c'est que ça se fait de façon insidieuse. Ok ? Et ça, c'est pas normal. Après, je ne dis pas que ça ne donne pas de bons résultats à un certain niveau, je dis juste que ça fait partie, que c'est une pièce précise d'un agenda. Tu disais quoi ? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est pas grave, chérie. Ouais, donc tu parlais des techniques orientales qu'on va apprendre, par exemple, pour le soin ou des choses comme ça, qui nous éloignent de notre âme et donc, du coup, de nos propres techniques, de ce qu'on est. Le fait de pratiquer, par exemple, le Reiki ou des choses comme ça, est-ce qu'on véhicule, du coup, des énergies particulières ? C'est-à-dire, quand tu dis particulière. Bah, du coup, peut-être que tout ça, toutes ces pratiques gnostiques sont reliées à un égrégore. Et quand on le pratique, si je pratique du Reiki, si j'envoie je balance des flammes violettes, des machins, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est ça le danger. C'est qu'à la base, comme dit Tamara, ça sonne un peu bad. Non, à la base, ça n'est pas bad. Pourquoi je ne mélangerais pas une technique orientale avec ce que... Pourquoi je ne le mélangerais pas ? Si tu fais ça chez toi, ok, tu vas apprendre le Reiki et tu vas mélanger ça, je sais pas moi, à la liturgie angélique. Ok, tu mélanges les deux, tu vois que ça fonctionne, ça marche. Tu fais ça chez toi, ça n'a rien de gnostique. Quelque part, c'est gnostique dans l'esprit, mais tu ne le fais pas ni pour avoir du pouvoir sur les gens, ni pour contrôler, bébé. Tu ne le fais pas pour avoir du pouvoir sur les gens et ça ne fait pas partie d'un égrégore calculé. C'est ça que, en fait, mais de toute façon, je m'attendais à ce genre de réaction, parce que je vais aller encore plus loin, ça va faire encore plus mal dans quelques minutes. Mais, moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est le mécanisme sous-jacent qu'il y a derrière et dans lequel tout le monde tombe. Si tu le fais de ton propre chef, sans être influencé, c'est-à-dire que tu as l'honnêteté intellectuelle quand même de me dire droit dans les yeux que tu n'es pas influencé par tel thérapeute, tel courant, tel truc que tu as lu, et que tu le fais justement parce que tu sens que ça doit être mélangé, de la même manière que j'ai mélangé la numérologie et l'angéologie. Je l'ai fait en mon âme et conscience et dans mon propre savoir. Je ne l'ai pas fait dans le besoin de gnosifier ce que je faisais. Au contraire, c'était d'amener un savoir qui n'était pas une gnose, un ésotérisme. D'ailleurs, à cette date, il n'y a que la numérologie que j'ai sorti de là. D'accord ? Un petit peu l'astrologie. Je commence à étudier l'astrologie. Je me dis qu'effectivement, on a dissocié l'astronomie de l'astrologie à un moment donné, il ne fallait pas. On a dissocié la numérologie des mathématiques à un moment donné, il ne fallait pas. Ok ? Mais pourquoi on l'a fait ? Pour garder du pouvoir sur les autres. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a un effet de mode autour de tout ça. C'est qu'il ne faut pas occulter l'effet de mode. Donc, ce qui fait que les gens qui pratiquent tout ça font d'eux des New Age, c'est le fait qu'ils ne fassent pas en conscience, qu'ils ne sachent pas ce qu'ils font. Non, c'est qu'il y a un courant qui est New Age, qui est comme une carte au restaurant,
Et ce courant New Age, il est vraiment mécaniquement, on ne peut pas ne pas le voir. C'est ce que j'appelle la pizza spirituelle. On ne peut pas ne pas le voir. Ok ? Et là, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je prends juste ce qui existe. C'est que le courant New Age, c'est la religion du nouvel ordre mondial, donc du recommencement. Voilà. Du recommencement. Et cette truc du recommencement, ok, il faut l'accepter, c'est une technique de manipulation de masse de l'humanité. Donc en faisant une pizza spirituelle comme les New Age, eh bien on va attirer tous les benets qui sont attirés par les trucs asiatiques, tous les benets qui sont attirés par les anges, et on va faire la pizza et on va... Boum! Et les gens vont même pas se rendre compte qu'ils sont New Age. Je m'inscris complètement là-dedans. Parce que quand j'ai expliqué l'angéologique, j'ai voulu expliquer ce que nous on appelle la mana. D'accord ? J'ai utilisé le mot karma. Le mot karma, c'est un mot asiatique. D'accord ? Mm-hmm. Le mot karma, c'est un mot asiatique. Donc à partir du moment où j'utilise le mot karma, je suis désolé, je participe à l'agenda gnostique. Mais comme c'est le mot que les gens connaissent, je suis pris en otage par les New Age, en fait. C'est comme ces putains d'histoires d'enfants indigo. Ça n'a aucun sens. Tu vois, les histoires des couleurs, par exemple, on prend les histoires des couleurs. Les histoires des couleurs, il faut savoir que les chakras n'avaient pas de couleur au départ. Vous mets au défi de trouver les couleurs des chakras dans les écrits indiens, il n'y en a pas. Pourquoi on a rajouté des couleurs ? On a rajouté des couleurs pour justement pouvoir mélanger ces histoires. Les couleurs, elles ont une vibration. Si scientifiquement tu sais ce que c'est le violet, si tu sais ce que c'est le vert, si tu sais ce que c'est le rouge, le jaune, les couleurs de l'arc-en-ciel, ok ? C'est le Big Bang, c'est la fragmentation de la lumière. À aucun moment, il y a un gars avec une moustache qui est venu te raconter ça. Arrête de me raconter des conneries. En fait, c'est pour ça que moi, dans l'Arche du Savoir, j'ai toujours fait en sorte de vous amener aux origines des informations. On a fait de la chromo, on a fait de la spectrométrie. Maintenant, tu vas appeler le violet Maître Saint-Germain, bien t'en fais. Mais si tu veux l'appeler comme ça, et tu penses que c'est... tu appelles la fréquence de l'énergie de la lumière un maître ascensionné, il n'y a pas de problème. Tu vois ? Exactement comme dit Patrice, ne pas devenir des idiots utiles. Moi, je connais les propriétés de chaque couleur. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié la spectrométrie. Pas parce que Maître Saint-Germain est venu me dire « Mais écoute, mon gars, on va faire ci, on va faire ça. » Ça n'infirme pas ce qui est expliqué chez les fameux maîtres ascensionnés. D'accord ? Qui sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel, si j'ai bien compris. C'est tout. C'est comme les sept archanges. C'est comme tout le reste. Tu mets le nom que tu veux en fonction de ta sensibilité. Mais ne deviens pas l'idiot utile qui véhicule l'agenda gnostique. Et malheureusement, des idiots utiles, il n'y a que ça sur la toile en ce moment. Mmh. Ok, donc ça c'est important. D'où l'importance de créer ses propres méthodes, de faire ses propres recherches, de ne pas se laisser polluer par l'information des autres. Si tu dois étudier quelqu'un, étudie-le de A à Z. Ne prends pas un bout par-ci, un bout par-là, celui qui t'intéresse, et ce qui te fait mal aux oreilles, tu ne l'écoutes pas. Tu prends tout et tu assumes. Point. Moi, il y a des trucs Alphara, parce qu'il a une façon de faire. Je n'ai jamais remis en question l'intégrité de l'information chez Alphara. Je remets en question la manière, pas l'intégrité de l'information. Mmh. Ok ? Donc ça, c'est important. Ne soyons pas des idiots utiles. D'accord ? Le karma, c'est ni plus ni moins que le programme de nettoyage de l'énergie qui est régi par la loi de la cause à effet. Beaucoup de gens pensent que le karma est une loi. Le karma n'est pas une loi. Ok ? Quand on a compris la spectrométrie, tout ça disparaît. Tout le folklore perché là des New Age, il disparaît. Parce que la spectrométrie, c'est pour ça que, tu sais, quand je te parle de soins énergétiques, quels sont les soins auxquels je te dis que j'ai une certitude que ça fonctionne ? La chromothérapie, la luminothérapie et l'audiothérapie. Ok ? Maintenant, tu peux leur donner le nom que tu veux. Ne rentre pas dans l'agenda d'orientalisation qui est le New Age. Ok ? Mmh. Donc le New Age, c'est un néopaganisme. Hein, c'est ce qui est écrit. Le néopaganisme est un mouvement de résurgence du paganisme antique. Donc le New Age,
rentre parfaitement dans l'agenda gnostique. Ok ? Il est la résurgence du paganisme antique. Donc ça veut dire que toutes les nouvelles trucs émergents là sur Internet, ce n'est ni plus ni moins qu'une réactivation du paganisme. Donc on en revient à la gnose, on en revient à Lucifer. Ok ? C'est important. Un des paganismes que j'ai appris, c'est les pentacles. Pourquoi ? Parce que tu veux lutter contre le démon, mais tu dois lutter avec ses armes. C'est ce que Jésus dit, je sais plus, ben d'ailleurs je l'ai mis, hein, le passage de Jésus. Si tu veux mettre le bordel dans une maison, tu le fais avec ses méthodes. Toujours. Jésus guérissait les gens comme ça. Et on lui a reproché d'utiliser l'énergie de Belzébuth pour guérir. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Il a rigolé, il a dit, ouais, mais si je veux mettre le bordel dans la maison du diable, il faut que je rentre chez lui. C'est ce que je suis en train de faire ce soir. Je suis rentré dans la maison du diable et je fous le bordel. Rien à foutre. Ok ? Donc, néopaganisme. Donc, le néopaganisme est un mouvement de résurgence du paganisme antique, influencé par l'apport des religions polythéistes extra-européennes. Orientalisation. Le folklore européen, l'ésotérisme et la sorcellerie. Ok ? Donc, quand vous êtes gnostique, vous êtes un sorcier. Ok ? Faut comprendre ça. C'est Harry Potter et compagnie. Tiens, par exemple, Harry Potter, c'est une paganisation de la culture, par exemple. Ok, l'ésotérisme et la sorcellerie. C'est essentiellement à partir de la fin du 19e siècle que cette mouvance religieuse commence à prendre forme. Toutefois, elle prit de nombreuses voies, parfois différentes dans leurs inspirations, telles que le néo-paganisme le plus connu, soit le néo-druidisme et la Wicca. Combien de fois moi ça m'est arrivé, hein, des gens qui venaient me voir pour faire des émissions sur CCN à l'époque, oh, je fais de la Wicca. D'accord, petite sœur Aliwell, mais elles sont où les deux autres, hein? Tu vois, c'était charme. La Wicca, c'est la magie, voilà. Donc voilà, tout ce qui est chamanisme, une certaine forme de chamanisme. Moi, j'ai vu des chamans amérindiens en Amérique du Nord, dans leur tribu. Tu vois ? J'ai pas vu Jean-Paul du bout de la rue de Ramonville, là, qui fait du chamanisme. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Tu vois ? Et puis le gars, il a appris à être chaman dans un stage en Haute-Savoie, à côté de Chambéry, avec Benjamin. Tu vois ? Donc, attention. Depuis la fin... Et de toute façon, j'ai toujours eu ce discours. Hein, je sais que je choque des gens, mais j'ai toujours eu ce discours. Hein, je change pas ma... Hein, s'il y a bien quelque chose que vous savez avec moi, c'est que je ne change pas de braquet. Hein. Depuis la fin du XXe siècle, le phénomène est de plus en plus connu du public, poussé par la vague du retour à la Terre et du New Age. Ça, c'est important dans le néopaganisme. La Terre-Mère, le féminin sacré. Hein, là, on a regardé David Chicode il n'y a pas si longtemps, et le thème, c'est le féminin sacré. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger la Terre, encore une fois, mais je sais de source sûre que si la Terre, à un moment, elle a un problème, elle va nous dégager. C'est pour nous qu'il faut être inquiet, c'est pas pour elle. Si vous pensez, petits humains, que vous allez détruire la Terre avec vos pots d'échappement et votre plastique, vous vous fourvoyez, les gens. La Terre, elle a vécu pire que ça en 4 milliards d'années. Ok ? Elle a vécu vraiment des cataclysmes énergétiques qui sont au-delà de notre pollution. Elle va se nettoyer, elle va attendre aller peut-être un millier d'années ou 2000 ans, et puis boum, hein, l'air il va être purifié, l'Amazonie elle va repousser, voilà. Hein. Restez calme. Ok, The Key of Ascension, quel bouquin d'Alfara ? Oui, alors Alfara, oui, il n'y a qu'un livre, c'est Les Clés de l'Ascension. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver, si vous voulez, je pourrais vous donner des endroits où vous trouvez des trucs d'Alfara un peu cachés. Mais je crois que Pat les avait déjà trouvés. Hein, Pat, il écoutait Block Talk Radio. Ok, donc vous comprenez ? La vague du retour à la Terre ? Hyper importante. Donc voilà, hein, là on est dans le paganisme profond, hein, on va dire le paganisme européen, hein, donc on a le fameux chamanisme. Hein. Alors en bas j'ai mis, vous avez trois dames d'un certain âge, j'allais dire trois mamies, ça aurait été méchant parce qu'il y a des gens de cet âge-là qui nous écoutent. Bah, je les ai mises là parce que c'est des personnes, voilà, c'est rigolo, mais voilà, hein, voilà à quoi on en arrive. Donc on a le livre de Bertrand L, alors le gars il s'appelle L quand même. Hein, je veux dire, c'est chercher le nom quand même. Pour ceux qui ne savent pas, elle veut dire enfer. Donc, il nous parle de possession et chamanisme, les maîtres du désordre, aux éditions Flammarion. Hein. Le chamanisme celtique, donc le chamanisme celtique, quand même, il est impressionnant. Vous avez le chamanisme celtique et vous avez un Baphomet. Ah la vache, il y a les corps. Les corps. Non, mais
En fait, le serpent. Non, non, mais moi, moi, je connais des druides et tout ça. Quand tu vas leur parler, pour ça, c'est un être de la nature hyper positif. Tu vois, même le serpent, il a des cornes. Mais ouais, c'est ça. Hein, c'est... Voilà. Là, vous avez le druide. Hein, voilà. Donc, vous avez la Wicca. Vous avez donc, le, encore une fois, le pentacle de Baphomet complètement satanique. Mmh. On est dans du satanisme. C'est-à-dire, alors, je vais le faire à chaque étape, hein, mais quand vous participez à l'agenda gnostique, vous participez au satanisme. Point barre. Maintenant, assumez, je suis sataniste. Dites-le haut et fort, assumez-le et continuez. Ou si vous vous si l'énergie de Satan vous dérange, ben à un moment donné, il faut faire autre chose, les gens. Ok, c'est clair, c'est net. Ok, bon, on m'a souvent reproché, ouais, mais toi, t'es toujours là, les Hébreux, les Michael, parce que je me sens comme ça, moi. Je me sens de cette énergie, je me sens pas satanique. Ok. Oui, il existe en français, en cas, le livre d'Alphara. Et tu il existe en PDF, mais pas en version livre. Tu l'as en PDF. Je te l'enverrai si tu veux, en cas. Oui, je demanderai la permission d'Alphara d'abord. Ok, donc voilà. Donc, tout ce qui est rattaché au chamanisme, au druidisme, au... voilà. Alors, je n'inclus pas... Attention, parce que il faut que je fasse attention. Parce que, quand même, j'ai un certain respect pour ces énergies. Pour tout ce qui va être faune, fée, entité de la forêt, elles ont été placées dans un endroit neutre. D'accord ? Ce que les gens appellent... je crois qu'ils appellent ça le monde... non, c'est pas Narnia, j'allais dire le monde de Narnia, mais c'est un peu ça. Hein, dans une dimension parallèle. Parce qu'ils sont dans un lieu neutre. Ok ? Encore une fois, je ne parle pas de ces énergies comme étant mauvaises. Je parle juste des gens qui les utilisent, qui sont sataniques. Ça n'a rien à voir. La Terre n'est pas mauvaise. Ok ? L'énergie de... Alors, ils aiment bien l'appeler Gaïa ou quoi, est positive. D'ailleurs, elle nous nettoie toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lucifer, Gaïa, vous l'appelez comme vous voulez, elle prend ce qui est mauvais en nous et elle le transforme en positif. D'accord, c'est un peu comme quand on dit une prise de terre en électricité, c'est le même travail. Pour pas qu'on s'électrocute, elle charge de l'énergie de merde quand même à cause de nous, à cause de nos pensées. Donc, les énergies de la terre sont positives. Ce qui est négatif, c'est comment elles sont utilisées par tous ces gens-là. D'accord. Encore une fois, je ne mets pas en exergue le chamanisme en tant que tel. Je mets en exergue les chamans. Qui utilise ça pour des raisons diverses et variées. Ok ? Des Amérindiens qui ont une culture purement pré-adamique et qui l'assument, mais j'ai aucun problème avec ça. Moi, le problème, ce qu'il y a, c'est que des gens font des rites sataniques et qui viennent te dire « Je suis dans la lumière, je suis dans l'amour. » Est-ce que ça sonne bad, ce que je dis ? Est-ce qu'on peut être satanique et dans l'amour ? Je pose juste la question. Est-ce qu'on peut être satanique et dans l'amour ? Non, puisque le propre du satanique, c'est, ou du pré-adamique, c'est de ne pas avoir de cortex insulaire, de ne pas avoir d'empathie, de ne pas être humain, et de ne pas être lié au cœur. De ne pas avoir d'âme, entre guillemets. Donc, je n'invente rien. Je ne suis pas en train de dire, ils sont méchants, ils... Non. Je suis juste en train de dire que on est dans du satanisme paganiste pur. Alors, maintenant, t'as des... Et surtout... La dernière fois, on a eu une discussion là-dessus... 90% du monde du bien-être est satanique, du coup. Ah merde! Eh oui, les gens, ça, il faut l'assumer, il faut l'accepter. Parce que, on en discutait, le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, c'est quoi? C'est être dans des émotions positives. Oui, émotions positives, de plaisir, d'alignement, voilà. Mais je connais des gens qui ont un bien-être à égorger des chats. Qui éprouvent du plaisir à violer des enfants. Bah ouais. Ils sont dans un bien-être, ces gens-là. Ouais. Ils n'en demeurent pas moins sataniques. Je suis dans une sensibilité, dans une énergie qui me pousse à être contre ces choses. Je ne peux pas accepter ces choses. Ok. Donc, quand vous utilisez ce genre de pratique, vous... participer au paganisme, à l'orientalisation et au détournement d'énergie par l'agenda gnostique. Point barre.
Pombard, Morgane, la fée du lac, elle n'est pas satanique. On est d'accord. Tu vois? Mais l'utilisation des énergies par des humains corrompus, sans vergogne et sans vertu, ça donne l'agenda gnostique. Ok, c'est tout. Les gens, je vous dis ça, je vous dis rien. Il est 23h, on n'est même pas au cinquième du truc. Hein. Alors je me régale, chérie, va chercher à faire du café, je sais pas, fais quelque chose. Je vais mettre des baves bientôt. On va prendre un café parce que là je te sens, on n'est pas bien. Allez, on avance. Parce que non, je voulais vraiment mettre le doigt là-dessus. Parce que regarde la dame là-haut. Mais vraiment, le principe du gnostique. Hein. Regarde la dame en haut. Excusez-moi l'expression, mais je lui donne le bon Dieu sans confession. Pourtant, elle est dans un rite satanique. Ah ouais. C'est quoi l'impact sur elle? Alors attends, laisse-moi terminer. Je ne suis pas en train de diaboliser. Je mets en lumière. Ok? Je ne suis pas en train de... comment dire? Tu sais, il faut vraiment le comprendre. Hein, parce que moi, c'est un travail de plusieurs années là, que je suis en train de vous placer. Je ne diabolise pas. Je mets en lumière. Du coup, elle s'éloigne de son âme, c'est ça? On va pas parler dans ces termes-là. Ok? Moi, je suis, ouais. Ce soir, je suis pas perché. Ok? Ce soir, je dis juste qu'elle pratique un rite païen. Ok. Point barre. Ok? Point bas. Ok, et pourtant elle a l'air positive cette dame là. Mais tu sais pas, quand elle rentre le soir chez elle, peut-être qu'elle égorge des chats. Moi j'ai eu une discussion un jour, je pense que c'était par rapport à une émission de Jean-Michel Raoult qui parlait du Baphomet. Bon, j'ai dit Jean-Mimi, il exagère. Ah, Jean-Mimi, c'est chaud. Tu peux pas. Baphomet, c'est le diable. Et je suis pas là dans une chasse aux sorcières là. Je demande pas à ce qu'on brûle ces personnes-là. Je demande juste qu'on comprenne que ces personnes-là sont sataniques. Point barre. Voilà, on y va. Donc, bien évidemment, la reine du New Age, hein, elle-même, Dorine Vertu. Ok? Je ne balancerai pas Drago entre elle et Alphara. Les gnostiques sont des préas. Pas tous. T'as des gens qui sont pas préas et qui sont tombés dans le gnosticisme, comme 99% du monde du bien-être. On est tous tombés dans le gnosticisme à un moment donné. On est tous dedans, on vit dedans. Ce que vous comprenez, c'est que vous êtes entouré par le truc. C'est qu'il n'y a pas... Là, vous êtes dans la prison d'Aldous Huxley, dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes dans l'espèce de démocratie qui est une espèce d'esclavagisme inconscient dans lequel on se fourvoie. Non, moi, j'ai dit, tant que tu participes à l'agenda gnostique, tu es gnostique. Mais effectivement, c'est les préas qui mènent la danse. On peut dire que c'est les préas qui sont à l'origine, peut-être, du... Mais jamais il a changé d'avatar. Déjà, ça savait qu'il y a des gens que... Non, ne le fais pas par rapport à l'émission. Fais-le parce que tu sens que dans ton cœur, c'est juste. Toujours. Toujours. Ok? Parce que moi, je veux pas... Je mets juste en lumière quelque chose. Je suis en train de vous expliquer, de vous démontrer, là. Je suis pas en train de vous raconter des sornettes, là. Je vous montre. Après, je sais que les égaux, il y a des trucs qu'ils vont pas aimer. Parce que là, on va aller dans les sujets un peu cracra après. Hein. Je vous le dis tout de suite, là, on n'est pas couché. Hein. Donc voilà, donc Dorine Vertu elle-même a reconnu que ses arts divinatoires étaient satanistes et a demandé qu'ils soient retirés du marché. Bon, elle est retournée à Jésus, elle est retournée, tout ça. Donc les conneries de vie antérieure, la sagesse, les licornes, voilà. Voilà. Elle a reconnu que tout ça, c'était satanique. Donc, hyper important. Donc là, vous avez le livre de Christophe Colléra, Les médiums, une force de chamanisme contemporain. Bon, tout est écrit, on est là. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les médiums sont sataniques. J'ai pas dit ça. Oui, je connais les cerveaux, je vais les répéter à chaque fois. Les cerveaux, ils font des syllogismes. Ok? Je dis, il y a une forme de médiumnité qui l'est. Il y a une forme de médiumnité qui nourrit l'agenda gnostique. D'accord. D'accord. Allez, on y va. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Tac. Donc, l'orientalisation, tu en parlais tout à l'heure, elle est quand même assez visible, hein, au niveau, donc, elle se manifeste dans toutes les techniques thérapeutiques douces et énergétiques, et il y a une corrélation non négligeable entre ces thérapies et la culture New Age. La plupart des gens qui sont dans le New Age vont vous parler de Reiki, de Shiatsu, ils vont vous parler de Zen, de Yoga, de toutes ces choses-là, en fait.
qui, encore une fois, le Reiki hors de l'égrégore, le Shiatsu hors de l'égrégore, fais-moi des séances de Shiatsu, c'est un bonheur quand tu sors de là, ok, l'énergétique, le yoga, tout ça, moi j'en fais du yoga en technique d'étirement pour le sport, ok, je ne remets pas en cause ces pratiques, attention, je ne remets pas en cause le bien fondé de la procédure. Ce que je veux mettre de façon éclairée devant vos yeux, c'est encore le processus d'orientalisation des soins. Moi, il y a un truc très simple, c'est très rapide. C'est quand je suis parti début des années 2000 vivre au Québec, j'ai laissé derrière moi des magnétiseurs. Ok ? Je reviens 8 ans après du Québec, je suis maître Reiki. Mais t'étais pas magnétiseur ? Non, c'est pareil. Donc on voit bien qu'il y a une orientalisation même du propos. Les gens que j'ai laissés derrière moi qui étaient magnétiseurs, je suis revenu, ils étaient maître Reiki. Ils étaient maître Reiki, ils étaient même responsables des formations régionales du Reiki. Et ces mêmes personnes-là, au bout d'un moment, ont dû arrêter le Reiki parce qu'elles étaient complètement défoncées énergétiquement, leur business ne tournait plus, c'était un cauchemar pour elles. Voilà, moi, je ne remets pas en question les pratiques. Hein. Je ne remets pas en question les thérapies. Je remets en question le fait qu'on utilise encore une fois l'orientalisation. Hein. Je mets en lumière le processus d'orientalisation. Je ne mets pas les pratiques en tant que telles. Bon, il faut savoir quand même que le monsieur là-haut qui a inventé le Reiki, il a utilisé pour charger des kamikazes japonais pour se faire éclater sur les Américains. Je dis ça, je dis rien. Mais les techniques Reiki fonctionnent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Patrice ? En fait, tout ça, ce sont des outils. Faut juste bien les utiliser. Bravo. Tout à fait. Je ne dis pas plus, pas moins que ça. Mais les utiliser en conscience, que quand vous les utilisez, ne les utilisez pas parce que l'égrégore de mode, là, parce que c'est la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des employés qui arrivent à mon boulot. Ouais, j'ai passé mon deuxième degré de Reiki. Toi, Michel, t'as passé le... Ah ouais. Ah ouais, bon. Ben. Et puis, moi, je suis pour dire que si vous utilisez ces pratiques, il faut l'hygiène de vie qui va avec. Parce que quand je vois des maîtres Reiki qui sortent en boîte et qui font n'importe quoi et qui font... Non, je les empêche pas de sortir en boîte. Mais et l'hygiène de vie qui va avec. Moi, je connaissais un pote rugbyman. Tu vois, il était à fond sur les trucs thérapie. Parce que lui, il avait eu des problèmes au dos. Il y avait un ostéopathe, un truc qu'il avait arrangé. Du coup, il a voulu apprendre. Mais tu peux pas danser la peña kumkum le soir et faire une séance de Reiki le lendemain. Il faut réfléchir. Tu peux pas aller faire les férias de... la feria de Dax, et après revenir le lendemain et faire... Non, il faut que tu sois cohérent. Ok ? Il n'y a pas de cohérence aujourd'hui. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein, moi, j'irais bien au Japon me faire du Reiki. Au Japon. Je prends l'avion. Ok ? Je vais à la source de l'énergie, à la source de l'information. Jean-Michel du coin de la rue qui fait du Reiki, excusez-moi, j'ai pas confiance. Parce que je connais l'agent diagnostique, je sais pas par quel biais il est arrivé là. Je vais pas questionner les gens. En fait, t'as fait ça par effet de mode. Tu connais la gnose, tu connais la New Age. Tu connais les païens, tu connais Jacques de Molay et Landry du Lauzon, tu connais. Non, on peut pas faire ça. En tout cas, voilà. Donc, je vous ai mis ce passage donc, de Matthieu 12, 22, 32. Hein, de Matthieu 12, 22 à 32. Donc, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait : n'est-ce point là le fils de David ? Les pharisiens ayant entendu cela dirent : cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, hein, là je me sens un peu relié, je connais vos pensées un petit peu. Sur le truc. il leur dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Je suis désolé de chahuter un peu vos égos, mais c'est comme ça. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comme donc son royaume subsistera-t-il?
Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Parce que c'est ça aussi. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les gens qui m'ont traité de New Age sont eux-mêmes New Age. Ah, oh, ça me fait rigoler. Donc le truc, c'est que voilà, par qui les chassent-ils? Parce que on pourrait sortir des dossiers, mais c'est pas le propos ce soir. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Les gens qui m'ont jugé vous jugeront, hein. Sachez-le. J'avais averti certaines personnes, aujourd'hui ils se trouvent dépourvus quand la bise fut venue. Jean de La Fontaine. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est hyper important. Ça, cette phrase-là, en fait, Jésus, il se considère à ce moment-là, il sait qu'il est ce qu'il est. Donc en gros, il dit, si tu n'es pas dans mon énergie, tu es mon adversaire. Si tu es mon adversaire, tu es satanique. Point barre. L'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas doivent se retrouver, parce que je connais vos égos, comment ils réfléchissent. J'entends certains égos qui disent, non mais attends, ils nous prônent tout le temps que l'énergie d'en bas et l'énergie d'en haut doivent se rencontrer. Ok. Il faudrait peut-être que je vous fasse le dessin, mais je vais essayer de vous le faire mentalement, faire travailler vos cerveaux. Oui, je suis le premier à dire ça. Alors pourquoi tu veux pas mélanger l'oriental et le chrétien? Parce que l'oriental, on pourrait considérer que c'est l'énergie d'en bas qui monte, et le chrétien, l'énergie d'en haut qui descend. On est d'accord. T'es d'accord avec moi, chérie? Ok, bon. Donc du coup, on occulte la version géométrique du truc. Tout à l'heure, Tamara nous parlait de la Merkaba. Ok, donc imaginez-vous une Merkaba, c'est-à-dire une étoile de David. Ok, donc on a en bas l'énergie bouddhique qui monte, et on a l'énergie christique qui descend. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gnose, la Bible, dans Éphésiens 9.10, nous dit que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre doit se retrouver en Christ. Le Christ, en fait, imaginez-vous l'étoile de David, et l'étoile de David, elle a 6 branches. C'est pour ça que souvent, on lui accorde le 666. Si vous enlevez le 666, c'est-à-dire l'intersection de toutes les branches, vous virez les 6 branches du 666, c'est-à-dire que vous virez le Satan, vous virez l'esprit de l'erreur, vous virez le mauvais, il vous reste au milieu le cubo octaèdre, le vector equilibrium, où se trouve en son point, le vector equilibrium, l'énergie Christos. Donc, pour que le cumulisme parfait entre l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas se retrouve, il faut éliminer les 6 branches, les 3 fois 6 branches qu'il y a autour, le 366 là, qu'il y a autour du cubo octaèdre. Vous comprenez? Ça, c'est important. Ça, il faut le visualiser. C'est pas parce que la Merkaba, elle est faite. Ce qui est important, c'est pas la Merkaba, c'est ce qu'il y a au milieu de la Merkaba. Donc, on va virer les branches. Eh bien, la gnose, c'est toutes les branches qui sont autour. C'est pas la rencontre entre les deux. Par exemple, quand je crée la lecture angélique, je vire les 6 branches de l'étoile. Je ne garde que ce qu'il y a au milieu, et le point qui est au milieu, c'est ma méthode. J'aurais pu utiliser tout ce qu'il y a autour de la numérologie, la guématrie, toutes les conneries, tu vois, les trucs hermétiques, les trucs gnostiques, en fait. La gnose, c'est les pointes des étoiles. Entre les deux savoirs, c'est les pointes des étoiles. Voilà, comme ça, géométriquement, peut-être ça va, vous allez mieux le comprendre. En vous expliquant la géométrie du truc, c'est une géométrie qui est parlante. Et c'est une géométrie d'astrophysique, là, que je suis en train de vous donner. C'est ce qu'on appelle une singularité. La vérité, c'est cette singularité. Les 6 trucs qui sont autour, voilà. Donc, utilisez le diable contre le diable. Et comment quelqu'un qui peut entrer dans une maison d'un homme faudrait piller, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi, donc, est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Important. Ce soir, j'assemble les gens. Je ne disperse pas. Ok ? Je suis pas en train de... Voilà. Si ça résonne mal en vous, c'est qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas assumer ça. Point barre. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné.
phrase hyper importante. Ok ? Le blasphème contre tout blasphème, tout péché, tout blasphème sera pardonné. D'accord ? Le fait de ne pas savoir tout ça, le fait d'être dans le blasphématoire. Tu vois ? Mais par contre, si vous savez et que vous continuez de blasphémer contre l'esprit, ça ne sera pas pardonné. Donc, oui, le pardon, oui, à partir du moment où. Ok ? C'est pour ça que les préas ne peuvent pas accéder au pardon, ils ne peuvent pas accéder à la cinquième densité, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils blasphèment contre l'esprit. Ils prennent l'information et ils la détournent. C'est ça que je veux mettre en lumière, le détournement de l'information. Je ne dis pas que l'information est mauvaise, je sais comment elle est utilisée. C'est comme l'islam et l'islamisme, la gnose et le gnosticisme. C'est simple à comprendre. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ok. Allez, on enchaîne. On est à 13 sur 59. On va y arriver, chérie. Je suis désolé, je peux pas m'arrêter. Moi, je compte. Bientôt la moitié. Voilà, mais Patrice nous a mis le logo, là. Très, très bien. Vous virez toutes les branches, vous gardez l'hexagone qui est au milieu avec le point. Voilà. Et vous avez, là, c'est là que doit se trouver, c'est là que vous devez vous trouver, c'est là que votre méthode, vos techniques de thérapie doivent se trouver. Toutes les pointes autour, là, vous virez. C'est simple ? Le végétarisme. Alors là, ça y est, là, je m'attaque au truc. Donc on a dit que la gnose était végétarienne. N'est-ce pas ? Oui. Ok. Donc, est-ce que tu penses que dans l'agenda gnostique, est-ce que tu vois l'agenda gnostique aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, est-ce que tu vois ce végétarisme émerger de l'agenda gnostique ? Hein ? Bah oui. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On le voit apparaître, hein, ce végétarisme. Alors, encore une fois, les gens qui sont végétariens par goût, c'est-à-dire j'aime pas la viande, je comprends. Il y en a très peu. Les gens qui ne peuvent pas manger de viande parce que leur transit intestinal ne leur permet pas. Ils vont développer des bactéries, ce genre de choses. Je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, les gens qui sont végétariens par conviction, j'ai envie d'enlever le viction. D'accord ? Maintenant, on a des hamburgers végétariens au McDo. Parce que toutes les gnoses prônent irrémédiablement d'être végétarien. Bizarrement, la société d'aujourd'hui est défigurée par le végétarisme. Ok ? Pas le végétarisme, encore une fois, de goût, ouais, ou de santé. Parce que moi, j'en connais des végétaliens qui ne mangent que des végétaux parce qu'ils ne peuvent pas manger autre chose. Hein, ils ont un estomac de Cro-Magnon, ils ont un estomac de Cro-Magnon. Ok ? Encore, les Cro-Magnons mangeaient de la viande. Mais toutes les gnoses prônent vraiment d'être végétarien, rappelons-nous que tout ce qui est issu de la matière, et qui plus est la chair, est mauvais. D'accord ? Donc les gnostiques prônent le végétarisme et le célibat. Refus de toute l'alimentation carnée. Donc c'est sorti de cette conférence. La doctrine cathare. Hein, nous qui vivons en Occitanie, nous connaissons bien les cathares. Eric, si tu m'écoutes, lui qui vit à Puy-Lorins, il vit en pays cathare. Et il fait de bonnes pizzas avec des magrets de canard. Alors, la doctrine cathare remet à l'honneur les conceptions dualistes anciennes propres au manichéisme. Donc on est dans une gnose, du coup. Chez les cathares. Okay ? Conformément à leur engagement, les chrétiens cathares doivent donc s'abstenir de tout ce qui est gras au sens de faire gras. Okay ? En cela, ils respectent littéralement les enseignements tirés des évangiles. Ce qui est faux, mais bon, les évangiles gnostiques. Sont donc interdits la viande, la volaille, les œufs, le lait, les laitages et le fromage, ainsi que des graisses animales pour la cuisson. Donc là, on n'est plus dans du végétarisme, de ce que je lis, on est dans ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui du véganisme. Ouais. Donc, les végans eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont cathares, ouais, d'esprit, qui ne font que perpétrer une gnose cathare, la plupart du temps. Ok ? Donc, enfin, dans cette prescription absolue, leur fait perdre le bénéfice du baptême au cathare. Dans la perspective cathare, tous les animaux sont susceptibles d'avoir reçu une âme céleste. On retrouve ça chez qui ? Les hindous. Ah, mais les vaches.
D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on en est toujours à cette époque pré-adamique, rappelle-toi, que je vous ai souvent raconté, où les âmes devaient se planquer dans les animaux, et c'est pour ça que Moïse... Ouais, tu vois, les sont malins, hein, les gnostiques. Hein. Ils ne veulent pas reconnaître les lois de Moïse, l'histoire de Moïse, mais quand Moïse dit à Pharaon « Je prends aussi les animaux », Pharaon dit « Non, je garde les animaux ». Les Égyptiens savaient qu'il y avait de l'énergie céleste dans les animaux. Les cochons, les vaches, tout ça. Et Moïse a dit « Non, je récupère les animaux aussi. Pharaon, tu ne vas pas me la faire à l'envers. » Les pharaons étaient gnostiques. Ça veut dire on est dans le truc préa. Tu vois ? Donc, dans la perspective cathare, le fait qu'ils consomment du poisson... Alors, par contre, ils prennent du poisson. Tu sais pourquoi ils prennent du poisson ? Parce que ça s'explique, parce qu'ils croient que les poissons n'ont pas d'âme et ne se reproduisent pas. Puis Jésus, il était pêcheur, ça serait con. Le gars, il mange du poisson. Jésus mange du poisson, mais pas nous. On est plus chrétiens que les chrétiens, mais il faut leur expliquer que Jésus mangeait de l'agneau aussi. À la Pâque, tout ça. Bon, bref. On va pas rentrer dans ces détails. Donc Jacques Fournier, un prédicateur cathare, interrogé par l'Inquisition, aurait dit « Les esprits déchus sont les esprits humains et ceux des animaux. Ces derniers sont doués d'intelligence et de connaissances, c'est vrai. C'est pourquoi c'est un péché de les tuer. Dans les montagnes, par contre, dans la Bible, il est marqué « Tu domineras sur les animaux de la terre. » C'est pour ça qu'ils virent toute cette partie-là. Ça les dérange. Hein. Ce végétarisme est un refus de commettre la violence envers une créature ayant du sang. S'il tombe par hasard sur un animal pris au piège, ils ont le droit de le délivrer, mais comme il cause un dommage au chasseur, il laisse à sa place une pièce de monnaie. D'accord ? Chez ces chrétiens qui ont fait vœu d'abstinence et de chasteté, l'autre raison de ne pas consommer l'alimentation carnée vient du fait que toute chair provient de la fornication et que par conséquent, elle est ressentie comme impure. Ok ? Donc là, on est aux sources du véganisme, c'est-à-dire, c'est une gnose, encore une fois, le véganisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le véganisme est affublé de toutes les dérives sectaires possibles et inimaginables. C'est pour ça qu'elle déchaîne les passions. C'est pour ça qu'elle crée aussi des gens qui sont malades physiquement, on va pas se mentir. Moi, j'ai une amie que vous connaissez un peu, Marion Hébergevillère, qui a été très malade, qui est devenue crudivore, qui a failli mourir de ça. Donc c'est important qu'il faut... Bon, on va pas faire un cours d'endocrinologie, c'est pas le propos. Moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est qu'encore une fois, les végans, a priori, ne savent pas qu'ils perpétuent donc encore l'agenda gnostique. Voilà. Donc, à partir de là, il faut voilà... Joël parle de la mettre en psychose, j'en ai déjà parlé, c'était le savoir... pré-adamique, avant le système d'incarnation qu'on a aujourd'hui, la métempsychose, c'était « je me réincarne dans un animal, dans un insecte, en attendant d'avoir un corps plus adapté ». C'est le système qu'aujourd'hui, la plupart des gens du New Age confondent avec le walking. Tu vois ? Une entité céleste qui vient prendre la place de ton âme. Tu vois ? Donc la métempsychose, effectivement, c'est ça. Donc, pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc ? Alors, les musulmans ne mangent pas de porc, il y a deux raisons à celle-là. La première raison, elle est biblique et coranique, c'était ces fameux porcs qui étaient malades et qui étaient fous. D'accord ? La deuxième réponse, elle est un peu plus historique. C'est que dans le porc, il y a une partie qui est près du foie qui s'appelle le ténia, et qui est un poison, en fait. Et les musulmans ne savaient pas qu'il enfin les anciens syriaques ne savaient pas qu'il ne fallait pas la manger, donc ils l'ont mangé et beaucoup sont morts, donc du coup ils ne mangent plus de porc. La viande halal, c'est une purification de la viande. C'est justement dans cet esprit que la viande est impure ou la viande a souffert, on va la bénir pour qu'elle soit pour remercier déjà l'animal de s'être offert à l'homme et surtout pour qu'elle soit purifiée de son énergie négative. Donc c'est ça le halal, c'est ça le kasher, hein, et même les chrétiens le faisaient pas si longtemps pour la Pâque, ils bénissaient l'agneau qu'ils allaient égorger pour la Pâque, ils le faisaient encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bon, aujourd'hui les politiques crient au scandale sur la maltraitance des animaux, c'est vrai, mais bon, en fait, il rechigne plus sur le rituel musulman que sur la... Parce que, bon, la Marine Le Pen, quand je vois sa tête, elle mange du beefsteak de Carrefour. Hein. Là, tu peux pas avoir les chicots qu'elle a. C'est, voilà. Donc, c'est impur, je pense, pour les musulmans. Voilà. Donc, la viande halal, c'est cette bénédiction de la viande. D'accord ? Donc, techniquement, énergétiquement, cette viande est bénie. Ok ? Voilà, voilà. Donc...
est-ce que cette végétarisation fonctionne ? Oui. La réponse est oui. Hein ? Alors, il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai dit que les végans ne savaient pas qu'ils étaient gnostiques ou qui. C'est faux. J'ai dit une bêtise. Hein ? Et je vais vous le prouver. Enfin, c'est faux. J'ai pas dit une bêtise, je savais que c'était faux, mais je laissais croire que la petite Marie-Camille qui va à Biocop acheter ses trucs bio, là, et tu sais, sans gluten, sans machin, sans bordel, je laisse espérer les gens que cette petite-là n'est pas satanique. D'accord. Mais voilà, donc, vous la voyez, la petite Marie-Camille avec sa petite salade, là, hein, c'est elle. Hein, il y a même le petit couple black qui va bien en haut, tu vois. Go green, go vegan. Il y a les filles du géant vert qui sont là, qui font de la pub. Tu vois, tout va bien. Alors, quand on regarde le végan, alors ça, c'est très gnostique. Hein. On vous met une image très prout-prout, très édulcorée, arc-en-ciel, bisounours, licorne. J'adore, moi. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'adorais regarder les. Comment ça s'appelle, les bisounours. J'adorais regarder. Il y avait un dessin animé qui. C'est un dessin animé de filles. Je suis désolé, j'aimais bien ce dessin animé. Qui s'appelait Rainbow Bright. Blondine arc-en-ciel. J'adorais, je kiffais. Elle avait des petites jambières arc-en-ciel, petites blondes. Moi, j'ai kiffé quand j'étais petit. Voilà, Rainbow Bright. J'aime ça, j'aime les couleurs, tu vois, pour le bébé, il lui faut des couleurs pour stimuler, les couleurs d'arc-en-ciel pour stimuler ses énergies. J'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on utilise cette image-là pour cacher derrière le sale. D'accord ? Encore une fois, c'est la méthode qui me dérange. Donc voilà, alors que derrière le vegan, on a aussi ça. Donc là, vous avez, là c'est en Espagne, hein, vous avez des gens alors qui, pour lutter, alors j'adore ça, c'est très gnostique, pour lutter contre l'horreur, on montre l'horreur. Mais ce que vous avez à l'écran là, donc ce sont des végans, des extrémistes végans, ce sont des simulations de rituels sataniques, sacrificiels. Et on expose ça dans la rue. Moi, je suis déjà passé à Toulouse avec Angelina, qui à l'époque avait 2-3 ans, je marchais en ville avec elle, et il y avait des gens comme ça, cellophanés, avec du sang. Des enfants de 4 ans, il faut arrêter les gens. Ça là, ce sont des rituels, ce sont des reconstitutions de rituels sataniques. Alors, c'est quoi le projet des gnognos? Leur projet, c'est d'offusquer les gens contre l'horreur de la... maltraitance animale pour qu'ils deviennent végétariens. Et donc les images fortes, et ils font ça bien évidemment en plein jour dans des simulations rituels sataniques. Hein ? Voilà. Donc, je tenais à faire un message parce que je sais que là il y en a des gens que j'ai choqué. L'arche du savoir. Alors, l'arche du savoir s'oppose à toute forme de barbarisme animal et préconise un élevage respectueux et la consommation des produits de vos producteurs locaux. On change. Ok. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les végans étaient bien au courant, hein, qu'ils sont satanistes? Alors, pas, mais c'est une dépêche qui vient de Toulouse, hein, qui vient de chez nous, hein, c'est pas si loin, mais bon, Toulouse, pays Qatar aussi. Tombe abîmée, croix renversée, plaque religieuse brisée, inscription à la gloire de Satan. En l'espace de 2 mois, en juin 2007, 2 cimetières de Toulouse ont été vandalisés. Des dégradations choquantes qui ont mobilisé pendant 8 mois les enquêteurs de la brigade des affaires générales de la sûreté urbaine. Ces policiers, pour démasquer les auteurs possibles de ces saccages dans les cimetières de la Croix-Dorade et Terre-Cabade, se sont plongés dans la littérature et les sites gothique ou satanique. Le tout sur un fond de black metal, musique de ce milieu culte de Satan, ce mélange est celui du sang et des vampires. Adeptes du groupe de putréfaction, après recoupement et écoute et filature menée sous commission rogatoire du juge Serge Lemoine, les enquêteurs ont ciblé des adeptes de cette mouvance, et notamment une jeune femme modèle à 16 heures, employée dans un restaurant végétarien, selon son avocate, et qui, aux yeux des policiers, serait la véritable égérie d'un petit groupe hanté par la mort. Et ce restaurant végétarien, donc, s'appelle Vegan Food. Donc vous retrouvez, hein, dans l'explication du guide Michelin, Vegan Food, musique blasphème. Excusez-moi, hein, je veux dire, je ne choque personne, j'espère, mais là, c'est pas moi, hein, dépêche de Toulouse. Hein. Voici la trinité autour de laquelle Brian Manovitz, aka Vegan Black Metal Chef, imagine, non, Vegan Black Metal Chef, d'accord, a construit son florissant business.
plus gourmé que Maïté, plus maquillé que Pamela Anderson, aussi vénéré que Sépulture, ce chef américain leader de deux groupes métal en Floride cartonne sur YouTube depuis 2011 avec une web-série culinaire basée sur des recettes véganes, cuisinées et chantées sur des fonds de riffs de guitare méphistophélique. Voilà. Ok. Donc, le véganisme, le végétarisme est un rite païen satanique et revendiqué par les véganes eux-mêmes. Nous sommes sataniques. Ok. Alors, au début, on nous montre ça. Bien évidemment. Au début, on nous montre ça. Ok. On nous montre ça. Hein? Voilà. Les gens ne savent pas que j'aime les animaux. Tu m'as vu avec les animaux. Je suis pas là en train de me palucher en disant tout le monde j'aime les animaux. Tu me vois avec les animaux. T'as vu comment je traite les animaux. Hein? Voilà. Et j'en mange aussi. Mais t'as vu comment je les traite. Je suis pas là. Je vais pas devenir végan parce que j'aime les animaux. À un moment donné, si on me balance dans la jungle, ok, au milieu des lions et des panthères. Les lions aiment les humains. Mais il va me manger, le lion. Ok? Dans le monde pré-adamique, dans le monde luciférien, soit je suis un prédateur, soit je suis une proie. Point barre! Mais eux, ils font les vierges effarouchées, véganes, sataniques. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils sont végans? Parce qu'ils sont dans la culture que la chair est mauvaise. On est d'accord ? Vous avez suivi ? Et non, mais sois végan, Benjamin. Sois végan, tout va bien. Non, mais parce que c'est ces gens-là qui te donnent des leçons. C'est ces gens-là qui te traitent de sataniste après sur Internet. Et qui prennent le véganisme à outrance, sans savoir que le véganisme est un paganisme satanique. Tu vois ? Deux baffes dans la gueule. Ah non, pas de violence, c'est les vacances, on avait dit. Hein ? Pas de violence, soyez bisounours. Be the love, wherever you are. You grow yourself above to the flesh below. Ça, c'est bon. C'est Alfie qui raconte ça. Allez, on passe à l'androgynie alchimique et à la féminisation. Donc, rappelez-vous, on a fait dans les ateliers de l'alchimie, tu te rappelles ? On avait parlé de l'androgynie et de la féminisation. Que, justement, l'être parfait serait un être androgyne. Donc, un être androgyne, aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du patriarcat. Et l'alchimie serait donc de féminiser, d'accord, cette ère patriarcale, d'accord. Donc, avant qu'on aille plus loin, parce que je sais que à un moment donné, là, on va rentrer dans un sujet. En plus, il y a des dames dans l'auditoire qui peut piquer. On va faire une petite pause de 2 minutes, hein. On va aller ça. Bon, on va faire la pause. Là, on fait la pause, on est au milieu, hein. On va aller boire un petit coup. Et on revient dans 2 minutes. Ok ? Donc, je mets le micro en mute et je reviens dans 2 minutes. On va aller boire. Je vais faire un petit café parce que là, on n'a pas fini. On est juste à la moitié. Oh, je m'éclate. Mais on n'est pas à la moitié. Si, si, parce que ça va plus vite après. Ah bon ? C'est pas, ne te fie pas au nombre de diapositives. D'accord. Fie-toi à la vitesse à laquelle elles vont passer. D'accord. Je m'attarde sur celles qui sont importantes. D'accord. Allez, on va passer sur l'androgynie, l'alchimie, la féminisation. Hein ? Allez, à tout à l'heure.
Et mais je suis de retour, nous sommes de retour. C'est vrai qu'on aurait pu vous mettre un petit peu de musique, mais vous savez comment YouTube avec les droits. D'accord. Désolé, donc vous avez eu la musique du silence, n'est-ce pas? Donc voilà, alors j'ai pas apporté de solution tout à l'heure par rapport au véganisme, parce que je vous ai dit que à chaque fois je vous apporterai quand même une solution. Je ne remets pas en cause le fait d'aimer manger comme ça. Moi je me rappelle quand j'avais voulu me faire un corps de gouverneur de Californie, en faisant de la musculation, j'ai fait un régime végétarien pour pouvoir atteindre des performances sportives, hein, de l'ordre de quelques mois. Encore une fois, voilà, c'était en conscience. J'ai enlevé toute protéine animale de mon organisme pour pouvoir atteindre certaines performances au niveau surtout musculaire des jambes. D'accord ? Les protéines animales sont très très bonnes pour tout ce qui est le haut du corps, mais pour le bas du corps, ce sont les protéines végétales. Comme ça, vous savez. Mais voilà, quand je le fais, c'est en conscience et c'est pas en suivant un phénomène de mode rattaché à l'agenda gnostique. Donc voilà. De Sandox, ah oui, mais je me rappelle quand on faisait les émissions Alphara Live, Patrice, c'était une des musiques qu'on mettait parce que le Block Talk Radio avait les droits de passer de la musique. Et Block Talk Radio, donc nous on avait droit à une playlist et il y avait Simon & Garfunkel. Hello darkness, my old friend. I hope to talk to you again. Voilà, c'était The Sound of Silence. Voilà. Bon, ben allez, on est reparti donc sur l'androgynie. Donc la solution, hein, c'est toujours pareil. Vous pouvez le faire en conscience, hein, si vous voulez atteindre des performances sportives. Les régimes végétariens sont très bons. Oh, puis des fois, ça fait du bien de pas manger de viande. Hein, puis une bonne petite soupe de derrière les fagots. Hein, le Glaude, elle est bonne ta soupe. Hein? Sur Oxo, ils l'ont jugée dangereuse. Oula, non, mais je t'y canons, le Glaude. Allez, on y va. Donc là, sujet qui va fâcher, je vous dis tout de suite, ça va fâcher. Enfin, ça va fâcher, non, parce que vous connaissez mon art de... un petit peu. Mais on va aller s'attaquer quand même à un sujet de société aujourd'hui. Bon, on va regarder ça. Donc l'androgynie alchimique et la féminisation. Donc, on en avait parlé donc dans l'atelier sur l'alchimie, dans le dernier atelier, on avait parlé justement que l'être parfait serait un être androgyne. Ok, même dans la Bible, il est marqué que quand le masculin deviendra féminin, le féminin deviendra masculin. Hein, on parle aussi d'inversion des pôles. La communauté New Age a vraiment mal compris. Ils ont cru que c'était le pôle Nord qui allait devenir le pôle Sud et que la Terre allait éclater. Non, on parle de polarisation d'énergie féminine et masculine. Donc en alchimie, pour être parfait, il faut être androgyne. Ok, tu fais bien la denrée. Ah, t'as vu, hein? Ah, pas mon petit Patrice, hein? Voir moi, je t'y canon, Glaude. Bon, voilà. Alors, Jacques Villeray, paix à ton âme. Donc voilà, là, on va passer à l'androgynie alchimique, donc, et à la féminisation. Donc, je vous ai fait ça pour vous montrer que on ne peut pas la nier. Elle est partout, et donc, il va bien falloir l'accepter. Ah, moi, je l'ai prise de plein fouet, je suis désolé. Donc, je suis un petit peu taquin sur le sujet. Donc, je vais essayer de me calmer. Là, vous voyez, là, je tiens Coco en laisse. De toute façon, j'ai une cubaine à côté. Si je dérape, vous allez sentir ma tête rentrer dans le micro. Et ça va être dangereux, le Glaude. Hein? On y va. T'as pété? T'appelles la denrée? Non, je rigole. Allez, on y va. Oh, j'ai la connerie. Là. Je suis en forme ce soir. Je sais pas ce que j'ai. Oui, allez, on y va. Alors, l'androgynie gnostique. La divinité suprême réunit en elle à la fois les éléments mâles et les éléments femelles. On dit qu'elle est androgyne, cependant, le principe masculin et le principe féminin nous sont souvent présentés comme dissociés et l'une des principales caractéristiques de la gnose éternelle. Hein, et la place donnée à la déesse dans le couple divin. Donc ça, c'est important de comprendre que dans la gnose, le féminin prend une grande part. Alors, d'après toi, pourquoi le féminin prend cette place dans la gnose? Elle a une place naturelle dans la gnose. Pourquoi? Est-ce que déjà tu fais un... La terre est féminine. Oui, non, mais si par exemple tu prends les deux archanges, lequel est le masculin, lequel est le féminin? Bah, Lucifer, c'est le féminin.
il porte le féminin, il porte les ténèbres. Je n'ai pas dit que le féminin était les ténèbres. Ouais, ouais. Si, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit. Comme ça, les gens pensent que je ne l'ai pas dit. Mais... C'est pour ça que je te dis la Terre est féminine, Lucifer, c'est la Terre. Voilà, c'est pour ça que chez les alchimistes, la matière, c'est le chaos. Le féminin, c'est le chaos. Je confirme. Donc, par rapport à ça, il faut comprendre qu'on a besoin du féminin pour l'équilibre. Mm. Ok, c'est important. Mais pourquoi les gnostiques ont une comment dire ont une place particulière dans leurs rites et coutumes pour le féminin, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont issus de l'énergie féminine. On est d'accord. C'est on va dire, un positionnement pour eux naturel et logique. Mm-hmm. On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Hein, jusque-là, je ne prends personne en traître. Je n'ai rien dit de... Voilà. Donc, voilà, parce que là, c'est sujet que je vais marquer sur des œufs. Je te le dis tout de suite. Hein, et puis, pas, c'est des œufs de caille, là, que je marche. Hein, c'est pas des œufs d'autruche. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que la gnose a donc une propension naturelle et logique à vénérer le féminin. Parce qu'elle est elle-même le produit du féminin. On va dire que le christianisme est le produit du masculin, du patriarcat, et la gnose du matriarcat. Ce qui est totalement logique. Mmh. Ok ? Alors, là-dessus, bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont issus de... Voilà. Donc la déesse dans le couple divin, donc la reine, la terre-mère et tout ça. Celle-ci est appelée la mère divine. Elle exprime la force vitale universelle qui se manifeste et elle est la conscience de la manifestation. La terre et la mer, en tant que réceptacle et la matrice de la vie, lui sont rattachées. Ok ? Réceptacle de la vie, c'est ce que dans le Da Vinci Code, ils ont montré comme étant le Graal, en fait. Cet utérus, ce V qui accueille la vie. D'accord ? Le principe masculin est, lui, symbolisé par le ciel. Il est une image de la transcendance ordonnée, sage et juste. Tu vois, donc, si... le ciel est une image transcendée, ordonnée, sage et juste, ça veut dire que le féminin, il n'est pas sage, il n'est pas ordonné, il est chaotique et il n'est pas juste. C'est pour ça que Adam, c'est Aleph, le masculin, qui trouve le chemin vers le féminin, vers le même sophite en hébreu, qui représente le chaos. Tu vois ? En ancien... Phéniciens, on dessine le chaos pour dessiner les eaux d'en bas. Ok ? Donc, sa grandeur se traduit par un sentiment d'absence qui effraie et attire en même temps. Eh oui, parce que le masculin est invisible, le féminin, lui, il est visible, par contre. Mmh. En revanche. Il est celui qu'on veut être en supprimant la distance et la différence alors que la mère divine est investie des privilèges exceptionnels pour faciliter l'identification au père. On sait par exemple que le culte et les rites de la fécondité liés à la manifestation sexuelle étaient réservés à la grande déesse. Ces constantes, nous les retrouvons dans des variantes et dans toutes les grandes traditions, excepté le judaïsme, religion exclusive d'un dieu mâle. Ok ? D'où l'importance chez les gnostiques de rejeter le judaïsme. Parce que c'est trop patriarcal. Donc pourquoi je vous ai mis la Joconde sur le côté ? Parce que cette Joconde est la manifestation parfaite de l'androgynie. Elle est... Donc c'est une femme, a priori, mais elle est quand même très masculine. Son visage, c'est le mélange entre le féminin et le masculin. Léonard de Vinci, nous, et grand gnostique devant l'Éternel, nous indique... Donc, cette androgynie, d'ailleurs son nom c'est Mona Lisa. Si vous faites l'anagramme de Mona Lisa, parce que les gnostiques ils adorent faire des anagrammes, ah, ils adorent jouer avec les lettres. Hein, les mecs, tu vois, c'est Maître Capello et Patrice Laffont, France 2, les chiffres et les lettres. Hein, là c'est Nogno à mort. Et quand on prend Mona Lisa, on a Amon, Isis. Amon, dieu masculin, Isis, dieu féminin. Déesse féminine. D'accord ? Donc voilà pourquoi je vous ai mis donc l'androgynie gnostique, donc est logique et naturelle. Ok ? Donc on est encore vers le côté, l'autre côté. Ok ? On y va. On a tantôt reproché aux gnostiques de se laisser aller à une sexualité débridée et des pratiques perverses, tantôt parlé de leur aversion de la chair et de leur propension à une ascène
à une ascèse coupée de la vie, l'étude des manuscrits du Nag Hammadi. Donc le Nag Hammadi, c'est cette Bible qui est écrite par les Coptes, donc c'est une Bible gnostique et on va dire teintée de grec, beaucoup de grec, beaucoup de la pistis sophia, la sophia, c'est la sagesse, c'est le féminin sacré, c'est elle qui aurait créé le démurge, qui aurait créé le monde. On a mis un dieu, une déesse au-dessus du dieu méchant. Et elle a fait une progéniture qui est une aberration et qui aurait créé ce monde. Tu vois, c'est, on est très 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 dans, bon, dans la gnose. Hein. Les études des manuscrits du Nag Hammadi permettent une vue plus objective et plus nuancée de l'attitude des gnostiques envers la femme, souvent assimilée dans le judaïsme et dans le christianisme aux démons tentateurs. Les écrits gnostiques témoignent du souci de transcender la vision d'un univers scindé en deux entités contraires, lumière et ténèbres, bien et mal, esprit et chair. L'essence de l'univers est pour le gnostique au-delà du dualisme, et la gnose se propose de le conduire là où les entités ne sont plus contraires. La gnose, en invitant l'homme à répondre à la question « qui suis-je ?», lui demande d'approfondir pour l'intériorisation de sa condition. Il s'agit donc pour lui de se dépouiller de ses vêtements psychiques, organiques, sociaux, historiques. Deux voies s'offrent à lui au départ, celle de l'ascèse, qui permet de prendre ses distances avec le monde pour mieux se défaire de ses habitudes, et de sa torpeur aliénante, ou celle qui consiste à se libérer des interdits moraux, à commencer par les interdits sexuels. Donc le gnostique, c'est soit tu deviens une espèce de moine, soit tu deviens une espèce de déluré. Ouais. Hein, c'est, tu vas dans l'un ou dans l'autre. À commencer par les interdits sexuels, en les bravant et en poussant l'expérience jusqu'à la débauche et la perversion. Ascèse et licence ont finalement le même but, dépouiller l'homme de ses conditionnements afin de l'amener à découvrir sa vraie nature. D'accord ? Donc si vous êtes sataniste, assumez-le et allez à fond. En gros, c'est ça. Excusez-moi. On y va. Féminisation, féminisme. Donc, on est sorti d'androgynie. Donc, certaines personnes, comme le professeur Per Fanxel de l'université de Stockholm, voient Satan comme le libérateur des femmes et le tout premier des féministes. Après tout, n'est-ce pas lui qui a encouragé Ève à croquer dans la pomme de la connaissance dans le jardin d'Éden, le libérant ainsi de son esclavage envers Dieu ? Au cours de l'histoire, les femmes ayant combattu le patriarcat, l'oppression de la domination masculine dans la société, ont souvent été associées à Satan. D'autant plus que ces dernières cherchaient l'égalité, la libération de leur sexualité et leur autonomie, de quoi enfreindre bien des préceptes de la Bible. D'accord ? Donc, il faut comprendre, oui, que symboliquement, Satan est celui qui a libéré la femme. C'est lui qui, encore une fois, symboliquement, l'a tentée. Donc, c'est vrai que les catholiques, ils ont tendance à dire que c'est la femme la tentatrice. Non. La femme a été tentée par le serpent. Mais le serpent, lui faisant goûter à l'arbre de la connaissance, lui l'a libéré. Donc aujourd'hui, tout le mouvement de libération de la femme est satanique. D'accord ? Il n'est pas contrôlé. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le féminisme est contrôlé. Non, le féminisme utilise les énergies du patriarcat pour non pas rentrer dans une androgynie, mais plutôt prendre le contrôle des choses et se venger. On est dans un esprit de vengeance. Un esprit très manichéen et très satanique. Donc le mouvement de libération de la femme est satanique. Ok ? Encore une fois, donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec toutes ces femmes, hein, ces sites, ces hashtags, tous ces trucs où on voit la femme s'émanciper, fait partie aussi de l'agenda gnostique. L'agenda gnostique, végétarisme, féminisation, orientalisation, on est en plein dedans. Ok ? Après, je tiens à mettre un bémol à ce que je suis en train de dire, parce qu'on va dire, vas-y, c'est un viriliste, c'est un truc. Non, non. Moi, le féminisme en Iran, là où les femmes se font caillasser pour rien, le féminisme dans les pays du Moyen-Orient, justement chez eux, hein, plus l'orientalisation, moi, une féministe, elle a toute sa place dans ces endroits-là. Par contre, la Marie-Camille, là, qui est ici, là, en France, qui a le droit de voter, qui a le droit de travailler, qui a le droit de faire un gamin toute seule, qui a le droit à... Tout. Tout ? Je comprends pas. Tu te bats pour quoi, en fait ? Tu te bats pour quoi ?
Parce que le gars, il t'a reluqué le cul dans le métro. C'est pour ça que tu te bats. Non mais sérieux, tu te bats pour ça. Parce que moi, j'en vois hein, sur Twitter et tout ça, elles sont là en train de bien défoncer les mecs, et elles sont dans le métro, elles attendent que ça. Elles filment dans le métro et tout. Elles filment, elles font des lives sur Twitter. Regardez, celui-là, c'est un pervers, il se frotte, celui-là, c'est... Et dès qu'il y a un truc, boum, elles vont porter plainte. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les gendarmeries, il y a des tonnes et des tonnes de plaintes pour ce genre de nana, là, ce genre de filles, et les filles qui se font frapper pour de vrai, ouais. Les filles qui se font violer pour de vrai, les filles qui rencontrent des vrais problèmes d'abus physiques directs. Ouais, classées sans suite. Elles sont classées sans suite à cause de ces malades-là. Ouais. Qui sont dans l'esprit de l'agenda gnostique. Elles s'en rendent même pas compte. Ouais. Moi, je suis pour le féminisme en Iran. Je suis pour le féminisme en Afghanistan. Je suis pour que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Mais c'est déjà le cas en France. Donc vous vous battez pour quoi, les filles ? Avec vos manipulateurs pervers narcissiques. Et en se battant comme ça, elles deviennent des hommes. Elles célèbrent même pas la femme. Parce qu'elles sont pas des femmes, elles deviennent des bonhommes. Oui. Dans leur manière de faire. Oui. Mais c'est là qu'il elles faut... Elles pourraient au moins faire ça comme non, des femmes. Non, mais c'est là qu'il faut parler. C'est là qu'il faut parler en termes de polarité, en fait. Et c'est pour ça que même un homme, il a du féminin en lui. Il y a des hommes qui se font battre par des femmes qui sont des bonhommes, en fait, énergétiquement. Ouais. J'en connais. Tu vois, moi ça m'a déjà arrivé de prendre des droites par une femme. Parce qu'elle était. Elle était pas masculine, mais elle était méchante, quoi, en gros. Ouais, c'est pas moi. Ouais, bon. C'est pas loin. J'ai pris des chaises, quand même. Tu vois, il faut vraiment expliquer. Il faut vraiment expliquer quelque chose qui est primordial là-dedans. C'est ne pas confondre les polarités. Et les genres. Le féminin sur cette planète est en infériorité énergétique parce que les hommes ne travaillent pas à leur féminin. Le déséquilibre vient de là. Et ce déséquilibre est de plus en plus grand que les femmes oublient leur féminin. Elles oublient d'être des femmes. Ouais. Elles sont des mamans, elles sont des épouses, mais elles ne sont plus des femmes. Les femmes oublient et elles deviennent des hommes. Elles veulent travailler, elles veulent le même montant. Moi, dans mon entreprise, les femmes, elles ont des plus gros salaires que les hommes. Hein. Et les gros pontes chez moi, c'est des femmes. Mmh. Tu vois, donc ces histoires-là de « ouais, ça salaire égal, mon cul sur la commode hein. ». Le problème, c'est qu'elles veulent être des hommes, elles ne sont plus des femmes. Donc, les hommes, eux, ils travaillent pas leur féminin. Ils ne travaillent pas leur intuition, parce qu'on vit dans une société, justement, les premières victimes du patriarcat, c'est les hommes. Hein. C'est pas les femmes. Parce qu'on leur impose des espèces de... de performance, constamment. Le patriarcat, c'est la performance. Tu dois ramener de l'argent, tu dois avoir une grosse quéquette, tu dois assurer, là, tu dois tenir plus de 20 minutes, tu dois éclater tout le monde, tu dois protéger tout le monde. Mais l'homme, le patriarcat, mais il devient fou, surtout avec des femmes qui sont de plus en plus demandeuses et qui sont de plus en plus indépendantes. Donc l'homme n'a plus sa place. J'expliquais la dernière fois à un gars qui travaillait à la maison chez lui, il me disait « Ouais, mais ouais, moi quand je travaille chez moi, on dirait que ma femme, elle me respecte plus. » Ben oui, parce que la femme, elle a besoin de voir le mec aller chasser pour amener la bouffe. C'est quelque chose qui est ancré dans son ADN, c'est ancré dans l'humain. T'as beau être à la maison, moi je l'ai vécu, je travaillais à la maison. Mais à force de pas aller voir le mâle chasser, mais elle n'a plus de respect. Mais ce n'est pas un respect psychologique, ce n'est pas un respect conscient, c'est un respect physiologique. L'homme va chasser, voilà, c'est comme ça. Ok ? Et une femme qui ne voit pas son homme aller chasser, eh bien à un moment donné, c'est hormonal, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, ce n'est pas la réalité. Mais les femmes, tu peux aller travailler et rester une femme. Pourquoi tu deviens un bonhomme d'un coup ? Et pourquoi l'homme, du coup, il devient une femme ? Oh, on a des congés paternité, les gars. Vous saviez ça ? Allô ? Je peux pas donner le sein. À quoi je sers un congé paternité ? Pendant que madame travaille. Et le déséquilibre, il n'est pas dans les genres. Il est dans les polarités.
Voilà. Et donc, le mouvement LGBTQ, c'est, qu'est-ce que c'est ça? Je connais même pas. Alors? C'est pas lesbienne, gay, bi, trans. Après, je sais pas. QI, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un de tes cheveux coincé dans mon appareil dentaire quand même. C'est formidable. Ouais, j'embrasse ma femme fougueusement, moi. Ce qui est formidable, c'est que tu le dises au micro. Ah ouais, moi je suis nature peinture. Non, hein. Non, c'est pas un cheveu, je crois pas. Hein? Non. Un fil. Ouais, c'est un fil. Bon, fil dentaire, ça manquait rester là. Donc voilà, ce qu'il faut essayer de mémoriser, c'est que quoi qu'il arrive, le mouvement de libération de la femme contemporain, on voit bien qu'il n'est pas naturel. Et la femme ne s'en sortira pas comme ça. C'est pas en devenant des hommes, et c'est pas en étant dans cette... J'ai jamais dit oui, c'est ça, Tonya. C'est pas en suivant cette libération non naturelle qu'on va s'en sortir. Et c'est ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est des femmes qui vont réussir à régler le problème en adoucissant un petit peu le mouvement actuel. D'accord? Mais il faut quand l'homme et la femme, là je parle des genres, auront compris le système des polarités, il n'y aura plus de problème. Là le problème c'est que là ça devient trop hostile, ça devient trop n'importe quoi. Moi quand je vois en plus que la fille qui défend ça là, au niveau du gouvernement, la Marianne Schiappa, mesdames, faites quelque chose, sortez-la de là. Hein. Elle vous représente pas du tout, elle fait peur même, ça devient ridicule. L'histoire. Mais en tout cas, elle œuvre. Hein. Y a une association apparemment qui est là pour les luttes contre les violences physiques sur les femmes. Moi, ce qui me dérange, et j'ai pas d'a priori là-dessus, mais j'ai quand même une vision claire. Hein, pour passer assez de temps dans les gendarmeries maintenant. j'ai l'impression que, effectivement, Les gens qui ont été recrutés par les services de police ou les services de gendarmerie qui sont en train de prendre les plaintes ont le même profil que les hommes qui commettent les infractions sur les femmes. Donc à quel moment ça va marcher l'histoire? Je pense que dans ce genre de cas, il devrait y avoir un département avec des gens qui sont en conscience. Et qui comprennent ce qui se passe. Parce que j'en marque pas tout la chic qui fout sur la gueule à sa femme tous les soirs. Quand il voit une petite carrée, ouais, tu l'as fait chier ton gonzé. Mais je les vois, les mecs. Tu vois, ils ont le même profil, donc tu peux pas. Pourquoi ils ont été engagés, ces gens-là? Parce que c'est des gens qu'on a habitués dans la violence, dans le préjugé. Parce que c'est ça, hein, aujourd'hui. Hein. Je dis pas tous les policiers, hein, attention. Mais c'est des gens qui obéissent à des ordres quand même. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont assez serviles, et dans les deux sens. Donc il faut faire attention, moi je suis pour hein, justement qu'il y ait une défense physique sur les femmes, je suis pour, même sur les hommes, sur les plus faibles en général. Je pense que c'est dangereux de distinguer, c'est comme l'antisémitisme et le racisme, de distinguer deux formes de violence. Il faut protéger les plus faibles, point barre. Et une femme, j'espère ne faire offense à personne, est normalement, physiquement, plus faible intrinsèquement qu'un homme. Donc je pense que déjà là, voilà. Je pense que beaucoup d'hommes, je ne vais pas dire pré-adamiques, mais presque, hein, qui sont en couple, qui n'ont aucune vergogne, qui n'ont aucune empathie, qui sont ce que les femmes appellent vulgairement des pervers, des manipulateurs pervers narcissiques, effectivement, doivent être identifiés. Après que ces gars-là se mettent avec des filles préa, pas de problème. Le problème, c'est qu'ils se mélangent à la population et que voilà, on doit identifier, on doit être en conscience. Parce qu'ils sont dangereux, ces gars-là. Ils sont très dangereux. C'est des psychopathes. Anthropologiquement, c'est ce qu'on appelle des psychopathes. Aujourd'hui, on leur donne le joli sobriquet de manipulateurs pervers narcissiques. On donne un langage... Moi, je supporte pas cette expression, au passage. Parce que toute personne qui est dans l'ego est comme ça. Toute personne qui est dans l'ego réfléchit comme un préa. Mais je pense qu'ils doivent être identifiés. C'est important.
Le problème, c'est que est-ce que le jour où on va identifier ces personnes-là, on va pas rentrer dans un ostracisme, une autre forme de racisme, qui elle serait un racisme cérébral ou un racisme génétique ? Parce qu'on y va. Les gens commencent de plus en plus à les voir, on commence à leur donner des noms. Le milieu New Age les appelle les portails organiques. Ok, le milieu anthropologue les appelle les pré-adamiques. Le milieu féministe les appelle les manipulateurs pervers narcissiques. Petit à petit, ils commencent à se dissocier du reste. Ils commencent à être vus, ouais. À être aperçus. Donc, je pense que on pourra aider le mouvement, pas de libération de la femme, parce que la femme en France est libre. On va arrêter ces conneries gnostiques. Mais je pense que le mouvement de défense, de protection de la femme, je pense qu'on en est là. Ne passera que par l'identification de ces personnages. Parce que, comme le fait très bien remarquer Tamara, les manipulateurs pervers narcissiques, ce n'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes préa. D'accord ? Ou les femmes qui pensent comme le préa, c'est-à-dire les michetonneuses. Michetonneuses de Paris. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour s'arrêter sur le problème féministe. Vous remarquerez que je ne parlerai pas de l'homosexualité en termes de féminisation, parce que ça n'atteindrait que l'homme qui se féminise en étant... voilà, LGBTTI, là, je sais pas quoi. Donc oui, ces mouvements-là, ce sont des mouvements gnostiques, hein, de toute façon. Mais parce que je pars du principe que l'homosexualité, c'est encore autre chose. Moi, je pars du principe que deux êtres qui sont dans l'amour, qui s'aiment, ont le droit de s'aimer. Point. Peu importe. Là, on n'est pas dans une espèce de féminisation, masculinisation. C'est l'amour qui prend le dessus. Je pense qu'il y a une forme d'homosexualité qui est le résultat de l'agenda gnostique, qui est un effet de mode. Moi, pour moi, deux êtres qui s'aiment, je rentre pas dans le débat. Moi, je rentre. Procréation. Voilà. Moi, je rentre. Il y a peut-être pas de procréation, donc on est dans une idée gnostique. C'est ça. Hein, d'accord. Mais à partir du moment où il y a de l'amour, il y a du cœur, j'ai pas de sujet. Moi, là où j'ai un sujet, c'est voilà, c'est une féminisation à outrance et visible. Parce que là, c'est ce qu'on est. Et rien de tel pour justement voir ça que... on verra si cette féminisation fonctionne. Alors, d'après toi, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui. Et moi, elle fonctionne parce que on le voit. Elle est visible. Elle est... lourde, maintenant. C'est très lourd. On est vraiment dans une idée de lobby. D'accord ? Et là où c'est le plus visible, mais c'est... le monde du spectacle. Ok ? Donc, on a eu droit à l'Eurovision à deux androgynes. D'accord ? Donc, je sais que le petit en bas, il s'appelle Bilal Hassani. D'accord ? Donc, voilà, extrêmement féminin, le brushing blond. Bon, voilà, bon, il préfère les sourcils quand même. Bilal, tu te laisses aller. Et en haut, bon, ben... Faire ma barbe, quoi. Tu pourrais faire ta barbe, ouais. Voilà, non, mais elle est parfaite, sa barbe. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et voilà, donc l'androgynie, on la voit. Elle commence à être visible. Donc là, je ne sais pas trop si... Alors, dans le cas du petit Bilal Hassani, on est dans une féminisation. Dans le cas de l'autre, je ne sais pas trop. Parce qu'il fait plus femme que homme, hein, finalement. Ouais. Ok ? Mais elle est visible. Et on nous amène ça à l'Eurovision, tranquille au KLM. Ouais. C'est pas dérangeant en soi. Je mets juste encore en lumière le processus de féminisation. Le phénomène quand même le plus visible, encore plus visible que le monde du spectacle, c'est le cinéma. Alors, je ne suis pas contre le fait que les femmes aient des grands rôles, surtout que tous les films que je vous ai mis là, surtout Captain Marvel, j'ai adoré, Batwoman, j'adore. Je ne suis pas contre le fait que les femmes aient des grands rôles au cinéma. Je suis pour. Il y a des femmes qui sont des héroïnes de films incroyables, une Julia Roberts, elles n'ont pas besoin de féminisation de personnages. Là, je veux juste vous montrer le processus de féminisation. Les SOS fantômes étaient un quatuor d'hommes, qui est devenu un quatuor de femmes. C'est ce processus que je veux vous montrer. Hein. Hein, c'est ce processus-là que je veux vous montrer. C'est pas le fait qu'on donne des grands rôles aux femmes. C'est le fait qu'on transforme des rôles qui sont à la base masculins en féminins.
Ok ? Donc on a Captain Marvel, qui est un super-héros à la base, qui est masculin. J'ai adoré le film avec cette actrice-là. Ça n'empêche pas. Mais Captain Marvel était un personnage masculin. Le Docteur Who. Le Docteur Who, pendant des... C'est une série anglaise de science-fiction qui existe depuis la fin des années 60, je crois, et qui a toujours été un homme, et qui aujourd'hui est une femme. Ok ? Les Men in Black. Le rôle de Will Smith a été repris par cette demoiselle, qui est très bonne actrice, au demeurant. Je ne mets encore en lumière que le mécanisme de féminisation, qui est purement encore le produit de l'agenda gnostique. Ok ? Thor. Thor, le dieu nordique. Oh, Thor. Tu peux pas faire plus masculin que Thor. Eh ben non. Aujourd'hui, Thor va devenir une femme. Ok ? Et Batwoman, alors Batwoman, c'est un peu différent, parce que Batwoman, elle est son propre personnage, elle existe. C'est pas Batman qui a été transformé en femme. C'est la petite cousine de Batman, c'est comme Supergirl. Mais aujourd'hui, on a une émergence d'héroïne féminine qui est justement dans ce processus de féminisation. Ok ? Donc ça, c'est là, on le voit, c'est flagrant. Ok ? Là où j'étais encore plus choqué, c'est que l'actrice Robin Malcolm, donc, qui a interprété le rôle de Morwen dans Le Seigneur des Anneaux, hein, film au demeurant gno-gno à fond, d'accord, les deux tours, n'a pas manqué de partager son envie de voir le rôle de Gandalf revenir à une femme. Donc là, Amazon est en train de créer une série sur Le Seigneur des Anneaux, une série tolkieniste, et c'est une femme qui va jouer Gandalf le sorcier. Donc là, on a tout, hein. Là, on a la totale. On a la gnogno, les sorciers, le préadamisme et la féminisation. Là, ils font un strike, là. D'accord ? Donc, ces vieilles légendes, ces vieilles histoires mystiques sont tellement basées dans un paysage patriarcal, pourquoi pas ne pas regarder la magie d'un monde matrilinéaire où les puissances magiques sont des femmes ? Là, c'est cadeau, c'est bibi. Hein, on est à fond dedans. Voilà, donc, l'émergence des sports féminins. Donc, encore une fois, des sports qui, à la base, étaient masculins. Par exemple, un sport comme le tennis n'a jamais eu à rougir. Que ce soit les femmes, que ce soit les gars, ça a toujours été sur un pied d'égalité. Il n'y a pas eu de féminisation du tennis. Ça a toujours été. Il y a eu le tennis, le volley, tous les sports, hein, on va dire. Hein, voilà. Mais par contre, les grands sports du divertissement patriarcal, le football, le rugby, se féminisent aujourd'hui. Ok ? Mm-hmm. Donc on est dans ce processus de féminisation. Les fémènes. Donc le mouvement féministe, c'est quoi ? Mouvement féministe, encore une fois, en haut, nous avons... Nous avons les fémènes, d'accord ? Qui se baladent dans la rue. Toujours pareil, hein ? Rituel satanique, du sang sur moi. On est toujours pareil. Là, on est en présence symbolique, donc devant une église, bien évidemment, en présence de ce qu'on appelle les succubes. D'accord ? Des énergies féminines sexuelles du bas astral. D'accord ? Symboliquement. Féministe, pour faire exploser le patriarcat, allumons la mèche. Ok ? Bon, là, moi, si c'est pour péter Trump, je les aide. Il n'y a pas de problème. Cadeau. Voilà, ça y est, je viens de me priver d'un visa aux États-Unis. Alors... voilà, donc we can do it, on les voit, hein, les féministes, donc la chemise, donc le blue collar, le white collar patriarcal avec le bandana, on peut le faire, hein, et bien sûr le mouvement féministe, le poing en l'air, donc on a quand même le symbole du féminin, le symbole du féminin qui a une croix à l'envers en bas du rond. La croix à l'envers, c'est le satanisme. C'est même plus, je dirais même, c'est le satanisme catholique. Pourquoi ? Parce que la religion de catholique, c'est la religion de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a été crucifié avec la croix à l'envers. On va toujours se rappeler de ça. D'accord ? Ok. Voilà. Ensuite, on est sur une féminisation chimique. D'accord ? Nous avons suffisamment de données aujourd'hui pour affirmer qu'une cause non négligeable de l'infertilité masculine... Donc, surtout, ne plus procréer, c'est très gnostique. Marqué par une baisse constante des spermatozoïdes chez l'homme en Occident, donc c'est l'Orient qui détruit l'Occident, toujours dans la petite guerre, hein, en Occident, et la pollution environnementale provoquée par la pilule. Il y a une féminisation... Ils ne peuvent pas la filtrer dans l'eau.
il y a trop de progestérone chez l'homme et il devient infertile. Donc, l'une des parties directes de l'âge agnostique, c'est la féminisation. Ok ? Le néopaganisme, le New Age, le Nouvel Âge, la défense de la terre-mère Gaïa, propre aux Romains. Propre aux Romains. On y va. Déjudaïsation, antisémitisme et ésotérie. Alors là, j'ai tout mis ensemble. Parce que là, on est vraiment sur un point crucial de l'humanité, sur un point crucial de notre histoire. La déjudaïsation et l'antisémitisme ésotérique, ils portent un nom aujourd'hui, clair, net et précis. D'accord ? C'est ce qu'on a appelé vulgairement le nazisme. Ok ? C'est la base du nazisme. Donc, cette déjudaïsation, cet antisémitisme, nous vient tout droit de Marcion Dupont ou de Marcion de Sinope. Marcion de Sinope vouait c'était un grec, hein, donc il vouait une haine viscérale aux juifs et à la loi de Moïse, tant et si bien qu'il remettait en question le judaïsme du Christ. Jésus n'était pas juif. Ah merde. Donc ça nous vient de Marcion. D'accord ? Marcion de Sinope, dont on a entendu parler dans l'étude... dans l'étude gnostique. Oui, okay, je me souviens. Hein, tu te souviens. Donc, le marcionisme, c'est un courant donc, de pensée théologique dans l'Église primitive, est une croyance dualiste issue du gnosticisme suivant laquelle l'évangile du Christ est un évangile de pur amour. Bon, jusque-là, tout va bien. Ce qui n'est pas le cas de la loi ancienne de Moïse et du peuple d'Israël. En conséquence, l'Ancien Testament est rejeté. Donc, le marcionisme, dont ça porte un nom, en fait, l'œuvre de Marcion, c'est de déjudaïser la gnose. Déjudaïser la Bible pour l'orientaliser ensuite. On enlève toute la partie judaïque et on va lui rajouter toute la partie manichéenne. Tu comprends ? Très bien. On y va. Le bébé, il est sage, hein ? Tout va bien. Ouais, top. Voilà. Donc, de ce terme, on a un phénomène qui apparaît évidemment. C'est le phénomène de déjudaïsation. Donc, la Kabbale, qui à la base est juive, devient chez les gnostiques la Kabbale hermétique. Ok ? Donc, les gens de la Kabbale hermétique sont des gnostiques sataniques. Ok ? Donc, quiconque se revendique de la Kabbale hermétique est sataniste. D'accord ? Et tu verras que les gens qui se revendiquent de la Kabbale hermétique sont des végans. Ok ? Ils sont à la fois végans, ils sont à la fois féministes, la plupart du temps. Elles sont féministes et elles se revendiquent et elles sont sataniques. Ok ? Donc on y va. Cette déjudaïsation a-t-il des applications connues ? On en a parlé. Cette déjudaïsation, ben, c'est le naïsme, le soleil noir. La société de Thulé. Alors, qu'est-ce qu'a amené le nazisme ? Mais déjà, cette Zvatiska, la croix gammée nazie, c'est une orientalisation de l'Europe. Hitler a tourné son symbole, claque, de 45 degrés, et il nous a orientalisé l'Europe, avec des idées à la fois agnostiques et orientales. Pourquoi ? Parce que Hitler était un grand ésotérique, par la présence aussi de Heinrich Himmler à ses côtés. Donc on retrouve quoi là ? Je vous ai mis donc la société de Thulé. Il y a quand même des choses qui sont quand même impressionnantes dans la symbolique nazie. La première, c'est la croix pâtée. La croix pâtée qui est la croix des Templiers. Une fois que les Templiers sont sortis du temple, ils ont adopté cette croix. Au milieu de cette croix, nous avons le Zvatiska indien. Ok ? Donc, on a bien une orientalisation du christianisme. Même si cette croix n'a rien de christique, à la base. Mais le symbole est quand même assez présent. Donc, je récapitule, je vais faire ça à chaque fois. Si vous êtes dans l'agenda gnostique, donc, vous êtes donc, vous prenez, vous,
vous êtes en promotion du satanisme, du véganisme, de la cabale hermétique, du nazisme. Ok ? Et tu verras que tous les gens qui prônent les idées de la gnose, ils ont une espèce de d'antisémitisme caché derrière l'antisionisme, un petit peu, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais besoin de faire cet atelier de façon linéaire, peut-être qu'il va durer 4 heures, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a une logique là. Je suis en train de vous montrer par les symboles, de vous prouver par l'absolu, tout ce que je suis en train de vous dire par les symboliques. Ok, vous avez encore une fois cette croix gammée avec cette épée et autour la symbolique encore de la terre, l'épée qui rentre dans la terre, Excalibur, l'épée qu'on sort de la terre. On a de Schellschaft de 1919, la société Thulé, les nazis qui étaient sous les ordres de Himmler portaient un crâne au milieu de leur casquette, d'accord. Ce crâne, il a une symbolique hyper importante. Alors, je vous ai parlé de Hugues de Pin, qui était le fondateur des Templiers, que les Templiers ont toujours vénéré une espèce de crâne en face d'eux, qu'on retrouve ce crâne sur... On retrouve la croix des Templiers. On retrouve le crâne sur les artifices des nazis. Et que ce crâne, il est rattaché aussi à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, quand vous allez à Rennes-le-Château, elle a un crâne à ses pieds, vous avez des statues où elle a des crânes, il y a des tableaux où elle a des crânes à côté d'elle. Mais que représente ce crâne? Est-ce que c'est le fondateur des Templiers? À qui est ce crâne? D'ailleurs, dans sa sépulture, on retrouve son crâne à elle aussi. Ce crâne voyage partout, chez les Templiers, chez les nazis, chez Marie-Madeleine. Et pourquoi Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, elle représente le féminin sacré. Alors, vous avez, alors tout le monde va me dire, Marie-Madeleine, elle est gnostique. Non, Marie-Madeleine, elle n'est pas gnostique. Mais elle est du pain béni pour les gnostiques. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine, elle a porté un secret en elle. Elle a porté l'enfant du Christ. Et ce secret, cette gnose, ce savoir, mais ce savoir à lui tout seul, donne un grand pouvoir aux gnostiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire pression sur l'Église. Et à l'époque, pouvoir faire pression sur l'Église, c'était avoir du pouvoir. On dit que les Templiers avaient trouvé le Graal et l'Arche d'Alliance. Mais le Graal, c'était ni plus ni moins que Marie-Madeleine, qui portait en elle Sarah, la descendante du Christ. D'accord ? Donc, Marie-Madeleine, elle est la sainte patronne des gnostiques. Mais elle-même n'était pas gnostique. Mais pour eux, pourquoi, d'après toi, elle représente quelque chose d'important pour les gnostiques ? Parce que, un, elle est le féminin sacré. Mais deux, elle est une gifle à l'Église catholique qui prône la chasteté du Christ. Oui. Donc c'est pour ça qu'à Rennes-le-Château, on lui voue un culte. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans toutes les grandes églises templières, on n'est pas... À part à Sainte-Marie de la Mer, c'est le seul endroit où on dit la Sainte-Marie, mais toutes les églises... Moi, j'ai été baptisé dans une église qui est Sainte-Marie-des-Anges. Ok ? C'était signé, le truc. Et j'ai fait ma première communion, là, à Sainte-Marie-des-Anges. Mais, à Toulouse. Mais les grandes cathédrales, les grandes églises qui ont été construites donc par les bâtisseurs, par les templiers, par tout ça, elles s'appellent Notre-Dame. Ok ? Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de la Gare, Notre-Dame de ceci. Et en fait, quand il parle de Notre-Dame, il ne parle jamais de Marie. Il parle de Marie-Madeleine, la mère de Sarah. D'accord ? Donc ça, vous devez le savoir. Je ne sais plus dans quel atelier vous m'aviez demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles on avait brûlé
Notre-Dame de Paris. Eh bien, en fait, la réponse nous est venue de travaux d'Alain Soral, où, mais effectivement, Notre-Dame de Paris était le seul lieu de Paris qui était en fait patrimoine de l'UNESCO et qui ne pouvait pas être utilisé commercialement par la ville de Paris. Sauf si une catastrophe arrivait, que la ville de Paris se portait garant de la réparation. Dans ce cas-là, la ville de Paris pouvait exploiter Notre-Dame de Paris pour faire de l'argent, en fait. Voilà. Donc, vous avez la raison pour laquelle un truc qui pouvait pas brûler a brûlé. Ok, voilà, ça c'est cadeau, c'est notre info du soir. Donc, Marie-Madeleine. Là, vous avez ce qu'on appelle la société des Skulls and Bones, où vous retrouvez le symbole, d'accord ? Et en haut, entouré d'un beau rond rouge, eh bien, vous avez notre ami George Bush. Hein, société des Skulls and Bones. Alors, c'est une confrérie de l'université de Yale, il me semble, ou de Harvard, une grosse université américaine, et où justement, ben voilà, les grands présidents, les grands hommes politiques, les grands manias de la finance et de la banque, on sévisse. Voilà. Donc vous avez encore ce symbole de Hugues de Pin, c'est-à-dire le début des Templiers, le début de... Je dis pas le nom. Voilà. On y va. Donc le mysticisme nazi ou ésotérisme nazi recouvre l'ensemble des doctrines florissant en Allemagne avant, pendant et après le régime nazi, et mêlant le pan-germanisme à l'arianisme et à des doctrines ésotériques. Elle s'inspire des théories développées en Allemagne à partir du 19e siècle. Ce courant quasi-religieux consiste en la combinaison du pan-germanisme, du racisme allemand, avec l'occultisme et l'ésotérisme et le paranormal, en une philosophie de l'histoire qui est un messianisme sécularisé. Ça veut dire qu'on prend le christianisme et on le sécularise avec les idées ariennistes de l'époque. D'accord ? Le nazisme se veut non seulement une idéologie politique, mais une vision globale du monde, une floraison de théories et organisations mêlant occultisme, racisme germanique, donc arien. On verra tout à l'heure ce que sont les ariens. Hein ? D'ailleurs, les Allemands, ils étaient toujours bons, ariens. On préparait la voie au nazisme au début du XXe siècle. Les théories développées seront au cœur de l'idéologie nazie, en particulier de Alfred Rosenberg, le philosophe du parti, et Himmler et la SS. D'accord ? Oui, c'est la SS hein, qui avait la casquette avec le crâne. Donc voilà, donc là on va étudier plus en détail ce que c'est quoi l'arianisme, ou enfin tous ces courants de pensée germaniques, d'accord ? Donc là c'est tiré d'un livre, alors Hitler et la recherche du Holy Grail, hein, du Saint Graal, et l'occultisme des racines du nazisme. Alors quant à Himmler, le chef des SS, il est sans doute l'un des plus acharnés à extirper le christianisme de l'Allemagne. Baptisé catholique et haïssant ce qu'il adorait... Ce qu'il adorait autrefois, il rejette avec violence la morale sexuelle de l'Église, dans laquelle il perçoit l'origine de plusieurs de ses incapacités, notamment son développement sexuel tardif et ses difficultés matrimoniales. Ça donne toujours des... Bon. Il accuse pêle-mêle d'engendrer des tentations homosexuelles auxquelles il aurait été lui-même prêt de céder dans sa jeunesse, et d'avoir imposé la monogamie contraire à la puissance sexuelle des peuples forts. D'accord ? Le mariage, écrit-il, l'œuvre démoniaque de l'Église. Très gnostique, hein, tout ça. Hein, le mariage, tout ça. On y va, hein, l'agenda gnostique, il est partout. Autre raison pour éradiquer le christianisme, le projet racial arien et la défense de la germanité. Le combat mortel contre les sous-hommes juifs et slaves nécessite de libérer les Allemands des principes chrétiens. La charité et l'amour du prochain. On est encore... dans quelque chose de très gnostique. Pour mieux faire émerger les vertus germaniques, germanisation et déchristianisation appartiennent pour Himmler au même processus. Il espère ainsi remplacer le christianisme par un culte païen ancestral, d'accord, qui se régénérera, d'où son souhait de débaptiser Noël et de faire en fait de solstice d'hiver. Donc lui, Himmler, il va plus loin. Lui, il se cache plus. Il fait plus fêter Noël. Il veut que ça se rappelle le solstice d'hiver. D'accord ? Ou d'Ilule.
et faire du solstice d'été la fête de l'accouplement. L'un de ses biographes note fort à propos, l'anticommunisme et l'antisémitisme de Himmler ne font aucun doute. Il exterminera sans pitié ces deux groupes d'opposants, mais fondamentalement, il s'intéressait beaucoup plus au christianisme. Ces courants franchement païens cohabitent avec une ambition d'apparence moins brutale, celle de fusionner christianisme et néo-socialisme à condition d'expurger le premier de ses principes caractéristiques pour le faire correspondre au second. Vu sous cet angle, le nazisme se rattache à une hérésie de premier temps du christianisme, le marcionisme. D'accord ? On y revient. Marcionisme, nazisme, même histoire. Du nom de Marcion Dupont, qui, au IIe siècle, voulut rompre le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, autrement dit couper le christianisme de ses racines juives. Ce christianisme déjudaïsé, aussi appelé christianisme positif, pourrait alors trouver sa place au sein de la Nouvelle-Allemagne, avec un Christ présenté comme l'ennemi du juif et la victime du temple. Un Jésus devenu une sorte de figure héroïque nordique, qui renverse les tables des marchands, trouvant ainsi, grâce aux yeux des dirigeants nazis, le catholicisme une foi, le Christ arianisé sera absorbé dans le projet national à travers l'institution d'une église. D'accord ? Donc là, vous voyez, ce passage, il est quand même assez précis. C'est le passage du livre. Et il vous confirme ce que je vous expliquais hein, tout à l'heure. Lui, il veut carrément remettre au goût du jour le solstice et tout. Enfin, lui, il est à fond. On est vraiment alors dans le marcionisme, l'arianisme. Il veut expurger le truc. On est vraiment dedans. D'accord ? Donc, l'agenda gnostique et l'agenda nazi sont vraiment la même chose. Et Marcion, le plus grand gnostique, a inspiré les nazis. Hein, de la même façon qu'il avait exorcisé le reste. Est-ce que la création du Saint-Empire romain germanique a un rôle dans l'antisémitisme et la gnose ? J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver de sympathie dans le regard d'Hitler. Oui, effectivement, là, tu vas avoir du mal à en trouver. Donc, la philosophie principale du nazisme, il faut savoir d'où elle vient. Et c'est là que ça devient un peu Twilight Zone. C'est là que ça me fait rigoler. De se dire que l'une des plus grandes guerres de l'humanité a été créée sous une espèce de délire ufologique. Ça, vous le saviez pas. Alors voilà, c'est l'ariosophie postule que la race aryenne, ok, pure, descendrait d'entités divines interstellaires, s'engendrant par l'électricité. Ah, aujourd'hui, tu dis un truc comme ça, tu finis la mi-vilune. Hein. Ben les gars, ben, qu'est-ce qu'on avait dit ? Hein ? Ben c'est ça en fait. C'est-à-dire que la race aryenne en fait, c'est une race extraterrestre au départ. Alors je pense que pour les ufologistes, c'est ce que les ufologistes appellent la race nordique. Donc vous êtes en train de capter que le délire de la Deuxième Guerre mondiale, il est basé donc sur le martionnisme. Mais il est aussi basé sur le fait que les Aryens sont des divinités interstellaires. Mais les Aryens auraient fauté avec des singes, donnant naissance à des races humaines plus ou moins pures, ayant perdu leur pouvoir originel. Ah tiens, il était une fois le monde pré-adamique. Ah merde ! Ah merde ! Eh oui, en fait, les nazis voulaient retourner au temps des races pré-adamiques qui cohabitaient avec les divinités. On y arrive, hein. On l'a fait, la boucle. Donc, ils voulaient un monde préa. Donc, quand vous... je vais le faire à chaque fois, hein, je suis désolé. Hein, mais quand vous encouragez ou que vous alimentez l'agenda gnostique, vous alimentez donc les idées nazies, vous alimentez le préadamisme, vous alimentez le satanisme, le végétarisme... Enfin, le végétarisme alimente tout ça, le féminisme alimente tout ça, l'orientalisation des pratiques alimente tout ça. Vous êtes dans le même délire que Himmler et Hitler, les gens. Assumez, acceptez. Même si je sais que c'est pas votre intention, ou que vous faites les choses avec des bonnes intentions, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord ? Donc, tout ce qui se passe de près ou de loin, un peu sur les interventions internet, tout ci, cela, sont dans le même délire que Himmler et Hitler.
Je pense que Jean-Pascal, maître Reiki du bout de la rue, si c'est ça, il va pas être bien. Hein. T'es dans le même délire que les mecs, là. Bon, bref, en fait, alors, donc, plus ou moins purs, ayant perdu leur pouvoir originel, il s'agit d'une reprise raciste de l'histoire biblique de la chute originelle. D'accord ? Comme une grande partie de la propagande mystique nazie, le livre Lanz Lebensfels s'appuie sur quelques images racoleuses dénonçant le viol des femmes blanches par des hommes ethniquement inférieurs et sexuellement actifs. Wow. Selon cette théorie, l'Église catholique aurait ensuite trahi sa mission pour rappeler la gnose sexo-raciste du Christ, le mythe du Graal est réinterprété comme la quête du sang pur des Ariens. Lanz annonce la résurrection de la gnose sexo-raciste, les Ariens retrouvant par la sélection la pureté raciale et donc leur pouvoir divin qui leur permettront d'établir un état arien, donc pré-adamique, mondial, le troisième Reich. Lanz, le troisième âge, ou le nouvel âge, ou le new age, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le même truc en fait. Et comme ils n'ont pas pu le passer par la guerre, eh bien ils voulont passer par Dorine Vertu et Dolores Cannon. Ah, ils sont taquins, les nazis. En tout cas, Lanz prônait la castration massive des singoïdes, c'est-à-dire votre serviteur, hein, je devais être un singoïde pour eux, et autres mâles inférieurs. D'accord ? Hein ? Ah, bébé, on n'aurait pas pu avoir bébé. C'est sûr. Hein ? Bon, non, mais c'est juste, là, j'en rigole, hein, je... Voilà. Rien sert à rien. Benjamin, il commence à se faire tard, minuit 40. Les blagues comme ça, ça y est, hein. Ça y est, on voit qu'il est tard là, hein, minuit 40. Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer, hein, qu'encore une fois, en nourrissant l'agenda gnostique, bah, finalement vous ravivez, enfin vous, parce que il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que le nazisme n'a pas disparu en fait. On est en plein dedans. C'est juste qu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à le passer par la force, donc ils le passent par autre chose. Ok ? Ça s'appelle l'agenda gnostique. Hein ? Et alors ça m'a fait rigoler. Hein, je cherchais sur internet, mais justement je cherchais l'audio quand je voulais faire l'audio de Roland Hero. Donc j'ai tapé gnose et je suis tombé sur cette vidéo de Kato TV et le monsieur qui présente la gnose, je sais pas, il a un petit air de Adolf. Je comprends pas pourquoi. Et... Voilà, c'est l'émission La Foi sur Kato TV, prise au mot, donc il présente la gnose. Je crois qu'il y a un problème de... comment dire... Il y a un conflit d'intérêt, là. Je crois qu'il essaye de nous passer un message. Il vient présenter la gnose, et tout ça, voilà. Alors, Hitler a échappé de nombreuses fois à la mort, comment un homme comme ça peut-être-t-il protégé ? Bah, je veux dire, quand t'as 90% du système qui est gnogno, il protège ses protagonistes. Enfin, Patrice, tu crois quoi ? Hein ? Voilà, Benjamin, très bien, nous montre un personnage comme Éric Zemmour. Éric Zemmour, j'ai cherché, hein, j'ai beaucoup cherché dans ce qu'il disait, mais 99%, le problème, mais ça c'est très gnostique aussi, 99% de ce que dit Éric Zemmour est vrai. J'ai cherché à contredire, à trouver des choses fausses. Alors bien évidemment, des fois, il donne des chiffres qui n'existent pas, mais comme tous les grands orateurs, il se la raconte. Mais tout ce qu'il dit est vrai, et c'est là que c'est grave. C'est parce que tout ce qu'il dit est vrai, et il est positionné dans cet ordre de gnostique, d'observation, mais en fait, il ne fait que mettre en lumière les résultats de la manipulation gnostique, en fait. Donc, ce qu'il dit est juste, mais le problème, c'est qu'il faut aller plus loin. Ok, ce que je dis est juste, mais ce que je dis est le produit d'une diabolisation de l'islam et le produit d'un agenda gnostique qui, on n'ira pas chercher plus loin, ça, on le verra après, on n'ira pas chercher plus loin, mais tout à l'heure, je vous lirai la lettre de Paille qui, tout ça, est prévu depuis le 18e siècle. Toutes les évidences que Zemmour nous sort à la télé sont le résultat d'un plan ficelé dans le moindre détail. Et le moindre détail. Je veux dire protégé par en haut, par une main invisible. Ben oui, c'est Lulu, il protège ses petits. Tu crois quoi ? C'est pour ça, des fois, on me dit, mais un tel, il fait des conneries, il lui arrive rien. Mais parce que la Terre le protège.
il est tard, je commence à avoir des discours de perché, mais c'est comme ça que c'est. On y va. Allez, l'une des on a bientôt fini les gens. Hein. La théorie gnostique de l'intrusion extraterrestre. Alors ça, je pense que même moi, en tant que chercheur de vérité, je suis tombé dans le truc assez souvent. D'accord. La théorie gnostique. Alors pourquoi j'utilise ces termes-là? Parce que il y a quand même des recherches en ufologie qui sont sérieuses, qui sont quand même le résultat de lanceurs d'alerte, ce qu'on appelle des whistleblowers, de gens qui ont travaillé au ministère de l'armée américaine ou ce genre de choses, qu'il faut prendre au sérieux. Cependant, il y a tout un délire New Age, gnostico, intrusico et extraterrestrico, hein, où il faut faire attention. Parce qu'effectivement, les gnostiques, bien évidemment, utilisent les informations qui sont découvertes pour, encore une fois, détourner l'information dans leur délire, donc, de théorie gnostique de l'intrusion extraterrestre. Voilà. Donc ça, ça se manifeste par plusieurs événements. Donc là, je vais vous chercher les images de seconde. Ok, donc on y va. Boum. Alors, des agents, j'aime bien les appeler comme ça, des agents, la plupart inconscients, à la solde de l'agenda gnostique, utilisent des techniques d'implantation mentale à travers le fantasme de l'intrusion extraterrestre. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? D'accord ? Donc là, je vous rappelle, on parle de la théorie gnostique de l'intrusion extraterrestre. Ok ? Ça, c'est le grand fantasme. Donc, cette phrase-là, j'aurais dû mettre la personne, je ne me rappelle plus qui a fait cette citation. Donc, des agents, la plupart inconscients, sont à la solde donc, de l'agenda gnostique et utilisent des techniques d'implantation mentale à travers le fantasme de l'intrusion extraterrestre. D'accord ? Donc, ces agents, la plupart inconscients, utilisent des techniques d'implantation mentale. Ok ? Et la grande patronne du bazar, ok ? On le verra plus tard. Je vous la mettrai à l'écran. On lui donne aussi le bon Dieu sans confession. Donc, depuis l'explosion du phénomène E.T., UFO, en 1947, les spéculations sur l'intrusion extraterrestre sur la planète Terre ont été généralisées. Une demi-douzaine de théories dominent le débat, mais une théorie doit être encore examinée. Il n'est pas apparu après 1947, mais environ 1500 ans plus tôt. Ah ! 1500 ans plus tôt, on est en combien ? On est au 4e siècle. 4e siècle, on est où ? À la découverte d'une agamadie des écrits gnostiques. Donc pour être précis, la preuve de cette théorie a été mise un jour lors d'une découverte en Égypte en décembre 1945, bien que l'importance de la découverte ne soit pas réalisée jusqu'à, devinez quand, 1947. Ok ? Cette année-là, le chercheur Jean Dorès a identifié la découverte égyptienne à Nag Hammadi, donc, comme une cache des textes gnostiques rares. Le gnosticisme est l'étiquette utilisée par les érudits pour désigner un corpus d'enseignement dérivé des écoles du mystère de l'antiquité pré-chrétienne. Les gnostiques qui ont protesté contre des doctrines chrétiennes telles que la rétribution divine et la résurrection du Christ se sont retrouvés pris pour cible en tant qu'hérétiques et ont été brutalement réprimés par les premiers convertis à la vraie foi. Voici l'histoire inédite, d'accord, de la fin des mystères depuis cette année 1947. Alors 1947, il y a quand même plusieurs choses. On découvre en 1947, le Nag Hammadi, il y a le crash de Roswell, et il y a la naissance de l'État d'Israël. C'est chaud, 1947. Ok ? Donc une partie des connaissances perdues de l'école du mystère a été retrouvée depuis l'explosion du phénomène E.T. en 1947. Les spéculations sur l'intrusion extraterrestre sur la planète Terre ont été généralisées. Une demi-douzaine de théories dominent le débat, mais une théorie doit encore être examinée. Il n'est pas apparu dès 1947, environ 1600 ans plus tôt. Pour être précis, la preuve de cette théorie a été mise à jour lors d'une découverte en Égypte en décembre 1945, bien que l'importance de la découverte ne soit pas réalisée jusqu'à, devinez quand, 1947, encore une fois. Ok ?
Donc, la gnose, connaissance intérieure, est une voie du mysticisme expérimental dans laquelle des initiés de l'école des mystères ont exploré la psyché et le cosmos en général, en utilisant des plantes psychoactives, le yoga et la magie sexuelle. C'est ça les gnostiques, les gars. C'est pas des chrétiens, mec. C'est des... Ils font du yoga, les gars. Ah ouais. Donc, ces anciens voyants ont expérimenté... Voyants, on parle de voyants. Ont expérimenté des états altérés et ont développé des compétences sidi et occultes, telles que la clairaudience et la vision à distance. The remote vision. La gnose étant une sorte de science néotique yogique mêlée à la parapsychologie. Donc, vous voyez, là, on est encore dans... Non, on est plus que dans le paganisme, là. On est dans la sorcellerie et la magie psychoactive. En gros, c'est ça. Dans une perception accrue, les gnostiques développèrent une vaste vision cosmologique centrée sur une divinité féminine, la divine Sophia, donc la pistis Sophia dans le Nagamadi. Le mythe de la création gnostique est unique en ce qui inclut une explication complète de la façon dont les êtres extraterrestres, inorganiques, hein, les portails organiques, hein, sont devenus présents dans notre système solaire. Le matériel de Nagamadi contient des comptes rendus d'expériences visionnaires d'initiés, y compris des rencontres directes avec des êtres inorganiques appelés des archontes. On y arrive, les gars, on y arrive. Donc, l'enseignement gnostique explique que toutes ces entités sont apparues au début de la formation du système solaire, avant la formation de la Terre. Les archontes habitent le système solaire, le royaume extraterrestre en tant que tel, mais ils peuvent s'introduire sur la Terre. Donc là, on est en plein dans le... Là, c'est des choses que je vous montre qui sont dans le délire de la théorie de l'intrusion extraterrestre par la gnose. Ok, on utilise. Alors là, ce qui est bon avec la théorie de l'intrusion extraterrestre, c'est que on utilise la gnose, donc qui détourne les informations christiques, et on détourne les informations de la gnose pour rentrer dans le délire de l'intrusion extraterrestre. Voilà. Oui, Israël, c'est l'indépendance, c'est en 1948, mais effectivement, c'est en 1947 qu'ils se sont établis. Bon, ce que les gnostiques on dit à propos des archontes, ils peuvent affecter notre esprit par des techniques de conditionnement subliminal. Leurs principales tactiques sont les erreurs mentales, virus intellectuels ou fausses idéologies, ou en particulier les doctrines religieuses et la simulation. Les archontes sont des prédateurs, contrairement à un large éventail d'êtres non humains et d'une autre dimension également connue des gnostiques. Êtres bienveillants ou neutres envers l'humanité. Les descriptions physiques des archontes apparaissent dans plusieurs codex gnostiques. Donc là, voilà, c'est les délires extraterrestres qu'on arrive à sortir de la gnose. Donc là, ça va encore plus loin, les gens. Là, c'est un détournement du détournement. On ne sait plus trop. Donc deux types sont clairement identifiés. Un type nouveau-né ou embryonnaire, un type draconique ou reptilien. Alors ça, c'est archonte reptilien, ça va ensemble. Évidemment, ces descriptions font correspondre les Grey. Alors, je dis les Grey parce qu'il y en a un qui s'appelle comme ça en France et qui divulgue ce genre de conneries. Hein, lui, il est à fond dedans. Et puis, il s'appelle Grey, le mec. C'est signe. Bon, et les reptiliens, des rapports contemporains à un T, ou devrais-je dire à un IT. En fouillant dans les matériaux gnostiques, il est assez choquant de découvrir que d'anciens voyants ont détecté et étudié le problème de l'intrusion extraterrestre au cours du 1er siècle de notre ère, et certainement bien avant. Ce qui est étonnant dans la théorie gnostique des archontes, ce n'est pas seulement le fond de cosmologie, expliquant l'origine de ces entités à la raison de leur enracinement avec l'humanité, mais la spécificité des informations sur les extraterrestres, décrivant leur fonctionnement, et ce qu'ils attendent de nous. D'une part, les gnostiques ont enseigné que ces entités nous envient et se nourrissent de notre peur. Surtout, ils tentent de nous empêcher de réclamer ou faire évoluer notre lumière intérieure. Bon, ça, c'est gnostique. Ça, c'est pas quelque chose d'extraterrestre, les gens. Hein? Le don de l'intelligence divine intérieure, bien que je ne prétende pas que les enseignements gnostiques sur les archontes, ou ce qu'il en reste, ont toutes les réponses de l'énigme ET-UFO, une chose est claire, il présente une analyse cohérente et complète de l'intrusion extraterrestre, ainsi que des pratiques pour y résister. Ils sont beaucoup plus complets et sophistiqués que n'importe quelle théorie discutée aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre, là, les gens, c'est qu'effectivement, la théorie des anciens astronautes, j'aime bien utiliser ce mot, la théorie extraterrestre, finalement, va trouver, en plus, dans la gnose, des images, en fait. D'accord, quand on lit la gnose avec un regard ufologique, on dit ça y est, on a la preuve de l'intrusion des extraterrestres et des archontes, ils sont reptiliens, ils se font passer pour des archanges, et on en entend des bêtises hein, sur ce genre de sujet. Hein. Vous en entendez
partout. Partout. Et bizarrement, ce sont des gens qui se revendiquent kabbale hermétique, qui sont végans, qui sont... Je peux vous faire la... Hein, vous voyez, on peut retracer la ligne, hein, puis vous allez reconnaître des gens sur Internet, tout de suite. D'accord ? Vous allez les reconnaître. Et là, effectivement, quand on suit l'agenda gnostique, ils sont en plein dedans. Ils sont des agents de cet agenda. Hein, tout simplement. D'accord ? Et... la plus grande agent de ces théories farfelues et qui justement utilise une technique d'hypnose régressive quantique, c'est Dolores Cannon. Paix à son âme, elle n'existe, enfin, n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais Dolores Cannon avec son, alors je, pas elle directement, malgré que bon, elle a quand même initié le truc, mais les gens qui font de l'hypnose régressive quantique, et je parle pas des patients là, hein, je parle des gens qui le font, sont des agents qui implantent leur idée gnostique, hein, leur idée de la gnose à leurs patients. D'accord ? Donc l'hypnose régressive quantique est une technique d'induction de la gnose. D'accord ? Il suffit de voir les résultats de cette séance d'hypnose ainsi que les débriefs. Les mots Archonte, Yaldabaoth, entité de quatrième dimension reptilienne, sont systématiquement évoqués, soit par l'hypnotiseur, la plupart du temps, ou soit par les hypnotisés qui ont eu vent de ces termes, soit en regardant des séances sur YouTube, ou soit en ayant lu des livres sur le sujet. Le sujet étant toujours la nouvelle Terre, le nouvel âge, le nouvel ordre. D'accord ? Ça, c'est ce que... Quand j'ai retrouvé cette phrase-là sur Internet, sur un site, je pense que c'est avec Tamara que j'en avais beaucoup discuté, puisqu'on avait parlé du livre de Dolores Cannon. Mais en tout cas, cette phrase, elle est vraiment importante. Les gens qui font de l'hypnose régressive, vous verrez que vous allez toujours entendre des termes qui sont issus de la gnose, en fait. D'accord ? Il suffit de voir les résultats des séances, donc, ainsi que les débriefs, les mots Archonte, Yaldabaoth, donc le dieu méchant, le déburge, et les entités de quatrième dimension reptilienne sont systématiquement évoquées par l'hypnotiseur. Donc il induit lui-même dans l'esprit des gens cet agenda gnostique et cette gnose. D'accord ? Je pense que vous avez tous vu des vidéos sur Internet de gens qui se font hypnotiser, et vous verrez qu'ils vont tous vous dire qu'ils ont eu des implants, qu'ils ont vu des êtres reptiliens qui sont montés dans des soucoupes volantes, que, en fait, les êtres, ils se faisaient passer pour des anges, mais en fait, c'était des archanges. On est dans un délire gnostique. D'accord ? C'est hyper flagrant dans le bouquin sur les trois vagues. Voilà. Donc, Dolores Cannon était gnostique, qui induisait, par l'hypnose, donc de façon grave, parce que l'hypnose, ça peut être grave, ça peut aller loin, des idées gnostiques dans la tête des gens. On est totalement dans des agents de Satan. Hein ? On va dire ça comme ça. Hein ? Comme ça, c'est... Ah là, il est 1h du matin, j'ai plus envie de mettre de filtre. Hein ? Les enfants de Satan, pour pas dire autre chose. Ok ? Voilà. Donc, le 13 août... Alors, pour enrober tout ça, pour vous montrer un petit peu ce... comment dire ? Comment je vais expliquer ça ? Pour enrober le nazisme, le délire extraterrestre, enfin tout ça... le 15 août 1871, Pike disait à Mazzani qu'après la Troisième Guerre mondiale, donc qui n'a pas encore eu lieu, ceux qui aspirent à dominer les mondes sans contexte provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library de Londres. Donc cette lettre-là, parce que souvent ils ont dit que la lettre, ouais, nanani, nanana, vous allez au British Museum à Londres et vous pouvez la lire. D'accord ? Donc, il dit en substance dans cette lettre, hein, j'ai pris un morceau qui va dans le sens de la... qui va dans le sens, si vous voulez, de la conférence. Donc, nous lâcherons les nihilistes et les athées. Hein, alors, les nihilistes et les athées, là, les athées, on n'a que ça. Là, on est en plein dans le sujet de la laïcité, de l'athéisme, enfin, on est en plein dedans. Et nous provoquerons un formidable cataclysme social dans 1871, les jeunes, hein. Un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement les effets d'un athéisme absolu. Écoute ça, bébé. Origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale
extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner leur adoration. Ils recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Ok ? Ça, c'est la lettre de Pike. Ok ? En 1871. Et dans cette lettre, vous trouvez... comment ils ont depuis des années subtilement fait monter la sauce entre les musulmans et les juifs pour qu'ils s'entretuent. Ok, je vous invite à lire la lettre de Pike hein, qui va tout à fait mais qui vous livre sur un plateau l'agenda gnostique, d'accord, sur un plateau la doctrine de Lucifer, le paganisme, d'accord, hein, le satanisme, hein, véganisme, hermétique, cabale hermétique, végétarisme, féminisme, tout ça, c'est doctrine de Lucifer, les gens. Hein? On y va. Donc, hein, là, je vous montre quelques photos, quelques dessins, alors qu'ils ne se cachent même plus. Hein. Je veux dire, Madonna, elle est en roue libre. Hein. Là, elle n'en peut plus. Vous voyez, vous avez Jay-Z comment ça s'appelle, et Beyoncé, c'est, voilà, on se cache même plus. Madonna, elle est carrément en Baphomet. Elle nous fait tout, Beyoncé. Hein, elle nous fait la déesse de la fertilité quand elle était enceinte. On est là, ils nous font l'œil de Sauron, la pyramide. Je veux dire, l'agenda gnostique est partout. Il se manifeste partout. Voilà, quoi. Hein, on est là, on est en mode submergé. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque, on va terminer là-dessus, hein, ce que l'on encourage, hein, je vous l'ai fait tout le long, mais là on va le résumer, ce que j'encourage ou accepte tacitement lorsque je ne conscientise pas ou ignore l'agenda gnostique. Donc, j'encourage et accepte tacitement la bêtisation de l'humanité. D'accord ? L'abandon de notre pouvoir aux initiés, le luciférisme, le satanisme, le sacrifice humain, la pédocriminalité, le nazisme, le racisme, l'antisémitisme, la déshumanisation et les holocaustes. Voilà ce que chaque jour, chaque personne qui répond inconsciemment à l'agenda gnostique fait. Toute personne se revendiquant kabbaliste hermétique, gnostique, vegan, qui soit conscient ou pas, fait partie du bord de ces gens-là. Toute personne participant à l'orientalisation de nos thérapies, à l'orientalisation de notre spiritualité, toutes ces personnes, d'accord, participent à l'abêtisation de l'humanité, à l'abandon du pouvoir des humains aux initiés, le luciférisme, le satanisme, le sacrifice humain, la pédocriminalité. Alors, pédocriminalité, j'ai pas voulu en parler, j'ai pas voulu être trop crade. D'accord ? Mais il faut comprendre que ces gens-là pensent que la chair est mauvaise et que plus elle est jeune, et moins elle est mauvaise. Donc, c'est pour ça que ils s'adonnent à des rituels, ok ? Ils s'adonnent à des rituels sataniques de pédophilie. Donc, quand tu brandis le drapeau de kabbaliste hermétique, tu encourages ça. Ok ? Tu encourages le satanisme, le luciférisme. Je ne vais pas continuer plus loin. Donc, il y a, on va terminer là-dessus, un contrat sur Internet. Alors, je ne sais pas si je vais vous le lire au complet, si je vais le lire au complet, parce que je l'avais promis. Normalement, c'était ma chère étante qui devait vous le lire. J'ai dit une voix féminine pour finir, ça aurait été mieux. Mais là, bon, je pense que à 1h du matin, elle n'est plus en état. Alors, je vais vous le lire. Donc, c'est le contrat tacite des gens qui dorment. Vous l'avez déjà vu sur Internet. Et je pense qu'il résume bien. Il résume bien, en fait,
ce que l'on accepte quand on s'engage là-dessus. Donc, j'accepte la compétition qu'on base... Alors, quand vous acceptez le contrat tacite des gens qui dorment, c'est ce que vous acceptez. Hein? Donc, dans votre... J'ai dit j'accepte, mais dans votre tête pensée, je refuse. Hein? Comme ça, vous acceptez pas le contrat. Donc, j'accepte la compétition comme base de notre système, même si j'ai conscience que ce fonctionnement engendre frustration et colère pour l'immense majorité des perdants. J'accepte d'être humilié ou exploité à condition qu'on me permettent à mon tour d'être humilié ou d'humilier ou d'exploiter quelqu'un occupant une place inférieure dans la pyramide sociale. J'accepte l'exclusion sociale des marginaux, des inadaptés, des faibles, car je considère que la prise en charge de la société a ses limites. J'accepte de rémunérer les banques pour qu'elles investissent mes salaires à leur convenance et qu'elles me reversent aucun dividende dans leurs gigantesques profits qui serviront à dévaliser les pays pauvres, ce que j'accepte implicitement. J'accepte aussi qu'elles prélève une forte commission pour me prêter de l'argent qui n'est autre que celui des autres clients. D'accord ? J'accepte que l'on congèle et que l'on jette des tonnes de nourriture pour ne pas que les cours s'écroulent plutôt que de les offrir aux nécessiteux et permettre à quelques centaines de milliers de personnes de ne pas mourir de faim chaque année. J'accepte qu'il soit interdit de mettre fin à ces jours rapidement. En revanche, je tolère que l'on fasse lentement en ingérant ou en inhalant des substances toxiques autorisées par les États. J'accepte que l'on fasse la guerre pour faire régner la paix. J'accepte qu'au nom de la paix, la première dépendance des États soit le budget de la défense. J'accepte donc que des conflits soient créés artificiellement pour écouler des stocks d'armes et faire tourner l'économie mondiale. J'accepte l'hégémonie du pétrole dans notre économie, bien qu'il s'agisse d'une économie coûteuse et polluante, et je suis d'accord pour empêcher toute tentative de substitution s'il s'avérait que l'on découvre un moyen gratuit et illimité de produire de l'énergie qui serait notre perte. J'accepte que l'on condamne le meurtre de son prochain, sauf si les États décrètent qu'il s'agit d'un ennemi et nous encouragent à le tuer. J'accepte que l'on divise l'opinion publique en créant des partis de droite et de gauche qui passeront leur temps à se combattre en donnant l'impression de faire avancer le système. J'accepte d'ailleurs toutes les sortes de divisions possibles pourvu qu'elles me permettent de focaliser ma colère vers les ennemis désignés et dont on agitera le portrait devant mes yeux. J'accepte que le pouvoir de façonner l'opinion publique, jadis détenu par les religions, soit aujourd'hui aux mains d'affairistes non élus démocratiquement et totalement libres de contrôler les États, car je suis convaincu du bon usage qu'ils feront. Voilà, bon, allez, je vais pas tout vous le lire. Il y a 33, bizarrement, il y a 33 items à ce contrat. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur Internet sur le contrat tacite des gens qui dorment. Je vous le laisse à l'écran pour les gens qui voudront le lire plus tard. Vous avez juste à faire pause, là, sur la deuxième page. Et on va terminer sur la troisième page. Voilà, hein, je vais pas tout vous lire. C'est le contrat tacite des gens qui dorment. Donc, c'est ce qu'on accepte tous les matins en se levant implicitement, en acceptant l'agenda gnostique. Voilà, voilà. Donc là, vous avez eu le temps de faire pause. Je repars. Tac. Donc voilà, après cet atelier, ben, vous avez l'opportunité de vous moucher, hein, parce que vous avez accepté et assumé d'avoir nourri l'agenda gnostique à un moment ou à un autre, ou de le faire même au moment où vous me parlez, vous avez l'opportunité de me fouetter sur la place publique. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, vous avez comme j'ai en train de vous dire, hein, voilà, vous avez l'opportunité d'être au bout du fusil ou de compter les points avec moi de tous les gnostiques qu'il va falloir mettre en lumière à un moment ou un autre. Voilà, c'était l'atelier, la conférence, elle est terminée, hein, sur les beaux yeux de Terence Hill. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette conférence, hein. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire cette conférence pour qu'elle soit le plus complète possible. Je sais pas combien de temps elle a dû durer 3 heures, un truc comme ça, un petit peu moins. Enfin bref, voilà, si vous avez des questions, Anka, Benjamin, est-ce que tout était clair, est-ce que tout était bien, en tout cas elle est enregistrée cette conférence, et je vous autorise
à la partager en privé, bien évidemment, pas en public, hein, à la partager en privé, parce que je pense que de toute façon, cette conférence risque de passer public bientôt. Voilà. Bonne nuit à toutes et à tous. Hein, si vous n'avez pas de questions, moi je pense avoir tout dit. Hein. Moi j'ai mes deux princesses qui dorment, tout va bien. Hein. On est là. Voilà. Allez, mais on se dit bonsoir et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On fera bientôt aussi la conférence questions-réponses. On fera la conférence questions-réponses, mais on la fera peut-être en mode Zoom. Hein, j'ai peut-être des idées pour tout ça. Donc, on fera tout ça. Donc, voilà, cette conférence sur l'agenda gnostique, donc elle avait pour but hein, de mettre en lumière que finalement, quand on y regarde de près ou de loin, voilà, moi, et puis je m'inclus dedans, hein, pour une fois, hein, comme ça on pourra pas me dire que, voilà, mais effectivement, à un moment donné, ce système-là, sur Internet, il est prépondérant. Par contre, j'ai pour moi le fait d'avoir toujours, d'une manière ou d'une autre, dénoncé, mis en garde les gens, d'accord ? Faites vos propres méthodes. Ne tombez pas dans l'orientalisation, ne tombez pas dans la féminisation à outrance, ne tombez pas... L'agenda gnostique, il est partout, il est clair, il est précis. Donc je sais que cette vidéo, vous pourrez... il faudra peut-être la regarder en plusieurs fois, du coup. Mais en tout cas, vous avez l'information. Moi, je vous l'ai délivrée en un seul coup. Mais bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir suivi cette conférence. On se retrouve semaine prochaine avec Tabara et Be Human. Et moi, je vais vous souhaiter une belle nuit. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao les pipiou.